5-7 actualité. Depuis le fait l'ESA, toute ville la branchée. Rale tiches bar pour coûter tout zin qu'a fait actualité dans le pays d'Haïti à Resmodel. 5-7 actualité, c'est pas une boule bolette, c'est pas un chiffre, c'est qu'on s'allie. Soit une émission pour qu'on blisse, rendez-vous chaque dimanche à JC sur Radio Fréquence Mondiale. 5-7 actualité. Depuis le fait l'ESA, toute ville la branchée. Rale tiches bar pour coûter tout zin qu'a fait actualité dans le pays d'Haïti à Resmodel. 5-7 actualité, c'est pas une boule bolette, c'est pas un chiffre, c'est qu'on s'allie. Soit une émission pour qu'on blisse, rendez-vous chaque dimanche à JC sur Radio Fréquence Mondiale. Proverbe l'a dit, moun qui souhait pour vous, c'est pour nous changer chemise. C'est pas ailleurs avec Jody depuis Jacques, dans Jesse Multiple Services, a servi communauté. Ya. Mes amis, tout le monde boucle n'a connu Jacques. Yon seul bagay toujours a dit, Jacques, bon vrai, oui, li bon bon information, oui. Mais l'organ business ou bote le baron l'autre monde. Mes amis haïtiens, moi yo, suspend mort dessoufflé. Tant que des centaines de monde qui prennent service sur le bois, passez dans Jesse Multiple Services. Affaires income tax, immigration, notaire, recherche de documents en Haïti, traduction de documents, c'est Jesse Multiple Services, mandé qui nomme. Ça fait 200 m'a fait taxe avec vous, m'a gagné rien pour me reprocher. Non seulement moi j'ai un comprendre rapide, service la pas cher et li bon. C'est pas seulement income tax, rapide refund, électronique filing, fil 4 aujourd'hui, joint comme la demain. Ces affaires immigration, ce master yoye dans ça. Mais ça me tendait pas les deux chaque. M'a pas seulement bon comme ça, non? Parce que ça fait immigration, papier travail, moi. C'est eux qui réglé. Yo fait affaire citizenship tout, parce que l'autre jour, madame, ma petite n'a pas pour entrer. C'est eux même qui réglé ça. Et puis ça qui pise, n'y a pas chargement pile pour ça. C'est ouais, Jesse Multiple Services, 926 Utica Avenue, entre Church et Snyder dans Brooklyn. Téléphone dans c'est 718-469-1566 ou sinon 347-576-6957. Parfum français, CD haïtien, transfert sur Haïti avec Uni Transfert, c'est Jesse Multiple Services. Même Jean Ketsley dit, Remé Moun qui Remo, Jesse. Quand les princes du port gardent en main le sort ami, de milliers d'exilés mal du pays. Quand tu rêves la nuit exilé de ton île, entends-tu tous ces cris, ces rumeurs de ta ville? Les musiques dans les cours, les jaseries des commères, les enfants de carrefour et les vagues de la mer. Toi, tu traînes ta vie et ton mal du pays, ami, le long de ces hivers tellement loin de la mer. Reviendras-tu là-bas chanter la liberté pour que meurent les rois qui l'avaient trafiqué, pour que chantent à nouveau les espoirs de ton île? Quand tu rêves chez toi, n'entends-tu que ces voix amies qui criaient dans la nuit en fuyant les soldats, les rumeurs de bataille, les accords de mitraille, les violons de la peur qui font grincer le cœur, les cagoules dans la nuit accompagnées de cris de familles séparées de leurs fils bien-aimés. Toi, tu traînes ta vie et ton mal du pays, ami, le long de ces hivers tellement loin de la mer. Reviendras-tu là-bas chanter la liberté pour que meurent les rois qui l'avaient trafiqué, pour que chantent à nouveau les espoirs de ton île, pour que chantent à nouveau les espoirs de ton île, pour que chante à nouveau les espoirs de ton île. Complot qui allait laisser une cicatrice de cette lutte, se dressait la figure emblématique de Charlemagne Peralta. Originaire de la ville de Hinche, Peralta s'est élevé en tant que leader charismatique du mouvement CACO.
symbolisant la détermination farouche du peuple haïtien face à l'intrusion étrangère. Cependant, son destin fut bouleversé par une trahison, ou plus précisément, un complot qui allait laisser une cicatrice indélébile sur l'histoire de la résistance haïtienne. Dans cette vidéo, nous allons explorer les circonstances et sombres de ce complot qui a eu raison de Charlemagne Peralta. Avant d'entrer dans les détails sur les conditions et l'élaboration de ce complot qui a coûté la vie à Charlemagne Peralta, un petit rappel historique s'impose. D'abord, qui était Charlemagne Peralta? Charlemagne Peralta naît le 10 octobre 1886 dans la ville de Hinche au sein d'une famille plutôt aisée. Sa vie prend un tournant décisif avec l'arrivée des forces militaires américaines en Haïti en 1915, une occupation qui va perdurer jusqu'en 1934. Face à l'occupation américaine, Peralta, alors commandant de la sécurité militaire de la région de Léogan, refuse de déposer les armes, préférant démissionner de ses fonctions militaires plutôt que de se soumettre aux forces américaines, et retourne dans sa ville natale à Hinche pour s'occuper des terres familiales. Entre-temps, les États-Unis établissent leur emprise sur Haïti en faisant élire un président de leur choix en la personne de Sud d'Artigonave et en signant un traité qui leur confère le contrôle des douanes et de l'administration. Ceci aboutit à une situation où les recettes de l'État sont directement contrôlées par les États-Unis. En plus de cela, les Américains dissoudent l'armée d'Haïti pour la remplacer par une gendarmerie. Dès 1917, Charlemagne Peralta mène une attaque contre la maison d'un officier américain chargé des troupes d'occupation. Il est arrêté et condamné à 5 ans de travaux forcés, mais il arrive à s'enfuir et rejoindre la résistance. Face à l'occupation américaine, les Haïtiens méprisés et victimes de racisme se rebellent. En 1918, l'occupation impose le travail forcé afin de construire des routes. Cela suscite une violente réaction populaire, entraînant une insurrection généralisée avec près de 40 000 paysans armés surnommés les Kako. Charlemagne Peralta, aux côtés de Benoît Batraville, mène une attaque sur la capitale, Port-au-Prince, en octobre 1919. Malgré des ressources limitées, les Kako opposent une résistance farouche, incitant les États-Unis à renforcer leurs effectifs. Après 2 années de combat, Peralta proclame un gouvernement provisoire dans le nord d'Haïti. Ces paysans armés n'hésitent pas à attaquer la capitale haïtienne occupée par les Américains. Armés de vieux fusils et de machettes, les Kako opposent tellement de résistance aux Américains que les États-Unis sont obligés d'utiliser leur aviation pour contrôler le territoire et mater la guérilla. La tactique principale de Peralta était la guérilla, utilisant la topographie montagneuse d'Haïti pour mener des attaques surprises et se retirer rapidement. Il a gagné en popularité en tant que leader charismatique et a suscité un fort sentiment nationaliste parmi la population haïtienne qui considérait l'occupation américaine comme une violation de leur souveraineté. Mais malheureusement, en novembre 1919, Charlemagne Peralta est victime d'un complot ourdi par un certain Jean-Baptiste Conzé. Il est tué lors de l'assaut de son quartier général le 1er novembre 1919. Après sa mort, les Marines américains prennent une photo macabre du cadavre accompagnée du drapeau haïtien. Cette photo est exhibée et largement diffusée afin de démoraliser la résistance. Mais au lieu de briser la résistance, l'assassinat de Charlemagne Peralta va renforcer le mouvement anti-américain en Haïti. Il est donc devenu un martyr national et son héritage a inspiré de nouvelles générations d'Haïtiens à lutter pour leur indépendance et leur dignité. Les Kako ont continué malgré tout leur résistance après la disparition de leur chef. L'occupation américaine va perdurer jusqu'en 1934. Ainsi, l'assassinat de Charlemagne Peralta a laissé une empreinte durable sur l'histoire haïtienne, symbolisant la lutte courageuse du peuple haïtien contre les forces étrangères et incarnant l'esprit de résistance nationale. Comme on vient de le voir, l'agressivité de l'occupation américaine a alimenté l'indignation et la résistance populaire incarnée par les Kako, dirigés par Charlemagne Peralta. Cependant, au cœur de cette lutte audacieuse, le complot et la trahison se sont insinués.
la trahison de Charlemagne Peyrade a été le résultat de complots internes venant de ses propres compatriotes. Celui qui a livré Charlemagne Peyrade s'appelle Jean-Baptiste Conzé, spéculateur agricole, ancien commissaire de police et résident de la Grande Rivière du Nord. Jean-Baptiste Conzé a piégé le leader révolutionnaire et l'a livré aux Américains. Le nom de Conzé est aujourd'hui synonyme de traître, mais vous allez voir qu'il s'agit plus précisément d'un complot plutôt que d'une trahison. En 1931, Jean-Baptiste Conzé a écrit un petit livre, un texte intitulé « Pour l'histoire », afin de raconter sa version des faits. Et il assume totalement d'avoir livré Charlemagne Peyrade. Il s'en félicite même, et vous allez comprendre pourquoi. Conzé commence par expliquer que ce qui s'est passé pendant l'occupation américaine, c'est-à-dire l'assassinat de Charlemagne Peyrade, est une heureuse faute, un mal nécessaire. Il dit qu'il a vu tellement de massacres, de tueries, de guerres dans sa vie, qu'il se demande à quoi servirait une énième insurrection. Pour lui, les Cacos ne sont que des pilleurs qui se font passer pour des libérateurs. Conzé se présente comme un ennemi des fauteurs de troubles. Et en ce sens, les Cacos étaient dans sa ligne de mire. Au début, il voulait les combattre personnellement, mais n'avait pas les moyens. Il reconnaît quand même la brutalité et la férocité des Américains et l'occupation injuste de son pays. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut, selon lui, tolérer l'anarchie que proposent ces paysans armés. Il écrit que si les Cacos coupaient des têtes, les Américains coupaient non seulement des têtes, mais éventraient les femmes enceintes. Donc, toutes choses égales d'ailleurs, il l'emporte sur les Cacos en férocité quoique blanc et proprement civilisé. Bon, Conzé découvre à ses dépens qu'être blanc n'est pas forcément synonyme de civilisé. Mais malgré tout, il préfère quand même cette férocité des Américains à l'insurrection des Cacos. Curieux comme choix, mais il l'assume. Il décrit Charlemagne Peyrade comme un voyou qui, après son évasion de la prison où il était torturé par les Américains, en voulait aux trois quarts de la population de la ville de Hinche qu'il l'accusait de l'avoir trahi et livré à l'occupant. Conzé décrit le mouvement de Charlemagne Peyrade comme une sorte de temple de Janus à deux visages. Selon lui, d'un côté, les Cacos affichent leur hostilité aux Américains et de l'autre, ils commettent les pires crimes, assassinats, vols, pillages, rançonnement des paysans, rançonnement des voyageurs, etc. C'était d'après Conzé le mot d'ordre et l'hymne national qui animait le courage de ces valeureux combattants, comme il les appelle avec ironie. Il accuse la bande à Charlemagne Peyrade de s'en prendre aux femmes et d'avoir commis les pires et les vils crimes. Donc Conzé nous raconte qu'avec Charlemagne Peyrade, la désolation était partout. On n'entendait que des cris et des larmes. Et lui, il n'en pouvait plus et se demande, en bon patriote qu'il était, comment faire pour sauver son pays. Il s'est mis à genoux en implorant Dieu de lui venir en aide. Et c'est là que lui est venue une idée. Une révélation, comme il le dit. Il faut capturer Charlemagne Peyrade. Il faut absolument arrêter le brigand pour mettre fin à la calamité. Il met donc en place un plan. De complicité avec le gouvernement d'alors, c'est-à-dire le gouvernement de D'Artigue-Naves et le capitaine américain Hannigan du district de la Grand'Anse, il met au point un complot pour faire tomber Charlemagne Peyrade. Il se fait donc passer pour un chef Caco et se rend au fort Capois, non loin de la Grande Rivière du Nord, où il établit sa fausse cachette pour faire croire qu'il était un rebelle Caco. Là, il lance une convocation à la population des communes environnantes en les persuadant qu'il était un chef de la résistance à l'occupation américaine. Il s'entoure de quelques acolytes afin d'être encore plus crédible. De cette façon, il entre en contact avec Charlemagne Peyrade via un de ses lieutenants du nom de Papillon. Il réussit à convaincre ce dernier de demander à son chef de venir participer à une réunion dans son quartier général à Fort Capois.
C'est ainsi que, par une belle matinée de printemps, Charlemagne Peralte débarque avec une cavalerie de 500 hommes, en réalité de pauvres paysans armés de piques, qui, nous dit Conzé, ressemble plutôt à des gosses jouant aux soldats. Conzé propose à Peralte d'attaquer des cibles américaines à la Grande Rivière où les cacos seront répartis sur des missions bien précises. La tactique consiste donc à éloigner la garde rapprochée de Charlemagne Peralte et les Américains déguisés en cacos pourront prendre d'assaut le camp où se trouve le chef révolutionnaire. Et ça a fonctionné à la perfection. Charlemagne Peralte est exécuté par le commandant Hermann Haneken. On le voit ici sur cette image, posant fièrement aux côtés de Jean-Baptiste Conzé. Pour le remercier d'avoir livré le chef révolutionnaire, le président d'Artigue-Narve envoie $2000 à Conzé. Celui-ci dit avoir distribué tout l'argent à ses hommes. Conzé jure qu'il n'a gardé pas un seul centime pour lui. Il a tout distribué à ses hommes. Et on est obligé de le croire. Jean-Baptiste Conzé estime qu'il a commis un acte patriotique en faisant exécuter Charlemagne Peralte. Il prétend que c'est grâce à lui si la paix est de retour en Haïti. Conzé conclut ainsi son plaidoyer. Jusqu'à ma dernière heure, je resterai ce que je suis, un ami irréductible de la paix et des pouvoirs établis. Mieux vaut avoir affaire à un mauvais gouvernement qu'une révolution de 24 heures. Oui, vous avez bien entendu, il est un ami des pouvoirs établis, quelle que soit sa nature. C'est quand même rare de voir un collabo confesser de manière aussi décomplexée. Donc ça, c'est la version de Jean-Baptiste Conzé. Et étonnamment, il assume totalement d'avoir trahi et livré Charlemagne Peralte. Malgré sa gymnastique pour se justifier et expliquer le bien fondé de son geste, pour soi-disant faire revenir la paix en Haïti, Jean-Baptiste Conzé est passé à la postérité comme le traître par excellence, celui qui a collaboré avec l'ennemi. Évidemment, même s'il semble vouloir endosser seul l'élimination du chef Kako, il n'est pas le seul dans le coup. D'autres personnes ont pris part à cet assassinat, car Conzé a lui-même admis qu'il s'agissait d'un complot, impliquant à la fois le gouvernement haïtien de l'époque qui était à la botte des Américains et également les Marines américains sur place en Haïti. Il faut aussi insister sur le fait que, contrairement à ce qui a été écrit un peu partout, comme quoi Charlemagne Peralte a été trahi par un de ses proches, ce n'est pas tout à fait le cas. Jean-Baptiste Conzé ne se considère pas comme un proche de Charlemagne Peralte. Bien au contraire, c'était son ennemi et il voulait l'abattre. Il a fomenté un complot pour arriver à sa fin. Donc ce n'était pas un proche de Charlemagne Peralte. C'est pour cela qu'il est difficile de parler de trahison dans ce cas. Mais on peut aussi le considérer comme un traître, dans le sens où c'est un traître à la nation. Et c'est un traître d'avoir collaboré avec l'ennemi, mais ce n'était pas un proche de Charlemagne Peralte. Une information de première main, en direct, sur la radio des grands événements, RFM, Radio Fréquence Mondiale. Dans les premières lueurs de l'aube du 28 juillet 1915, un drame sanglant a secoué les rues de Port-au-Prince, scellant le destin d'un homme et marquant le début d'une ère sombre pour Haïti. Villebrun Guillaume Sam, président autoproclamé, a été confronté à la fureur implacable de son peuple. Une colère longtemps refoulée qui a finalement trouvé son exutoire dans un acte de violence d'une intensité sans précédent. Pour tenter de sauver sa peau, Villebrun Guillaume Sam a abandonné son palais et a pris la fuite. Dans les heures tumultueuses qui ont suivi, les cris de révolte ont déchiré le silence du matin, tandis que la population haïtienne, exaspérée par la tyrannie et l'oppression, s'est rassemblée devant l'ambassade de France où le président se réfugie, déterminé à rendre justice de manière impitoyable.
Ce fut le point culminant d'une série d'événements qui ont précipité la chute de Wilbrun Guillaume Sam, un président autrefois tout-puissant, réduit à un homme traqué, cherchant désespérément un refuge qui lui échappait. Plongé dans le récit captivant de la fin tragique de Wilbrun Guillaume Sam, alors que les rouages de la politique et de la vengeance se mettent en marche, laissant derrière eux un pays dans le chaos et l'incertitude. Wilbrun Guillaume Sam, président haïtien, est entré dans l'histoire non seulement comme un président impopulaire, mais également comme une victime de la colère du peuple. Né le 4 mars 1859 à Wanamette, il devient président à 56 ans. Personnage aussi énigmatique que perfide, Jean Wilbrun Guillaume Sam émerge de l'ombre comme l'héritier d'une lignée marquée par la tyrannie et l'intrigue politique. Fils aîné de l'ancien président Tirésias Simon Sam et neveu de François-Antoine Simon qui fut aussi président, Wilbrun Guillaume Sam tire également sa légitimité d'un héritage révolutionnaire descendant direct du général Toussaint Louverture. Son ascension débute au sein de l'appareil militaire où il se distingue rapidement en tant que commandant de la division nord d'Haïti. Sa loyauté apparente envers son père le propulse au poste de secrétaire d'État à la guerre, cimentant ainsi son influence au cœur du pouvoir. Cependant, les apparences sont trompeuses et Wilbrun Guillaume Sam se révèle être un manipulateur. En 1911, il orchestre avec machiavélisme l'ascension de Cincinnatus Lecomte au pouvoir, renversant ainsi son propre oncle François-Antoine Simon. Et il va aussi se détourner de ce dernier, mais tel est le jeu de la politique où la trahison se dissimule derrière un masque de fidélité. L'ombre du soupçon plane également sur l'attentat de 1912 qui fauche la vie de Cincinnatus Lecomte, de ses proches et de plusieurs de ses ministres. Qu'est-ce qu'il s'est passé lors de cet attentat du 8 août 1912? Le palais national explose, tuant le président Cincinnatus Lecomte et plusieurs membres de sa famille et de son gouvernement. L'explosion était si violente que des fragments projetés hors du bâtiment ont tué plusieurs agents qui patrouillaient autour du palais national. Officiellement, l'explosion est attribuée à un accident dans un magasin de munitions du palais. Mais officieusement, on dit que le président a été assassiné par ceux qui voudraient prendre sa place. Bien que les preuves manquent, certains droits accusateurs se dirigent vers Wilbrun Guillaume Sam, qui aurait bénéficié de cette tragédie pour asseoir sa propre ascension. Je vous raconterai cette histoire en détail dans un autre numéro d'une page d'histoire. La soif de pouvoir de Wilbrun Guillaume Sam le pousse ensuite à s'allier avec le républicain nationaliste Joseph Davilmar Théodore pour renverser le président Oreste Zamor. Leur manœuvre réussit, propulsant Théodore à la présidence le 7 novembre 1914. Pourtant, tel un serpent changeant de peau, Wilbrun Guillaume Sam trahit bientôt le président Théodore, délaissant son allié en raison de sa politique anti-américaine. Il se proclame alors chef des mécontents, ralliant à sa cause un groupe d'opposants au régime. Avec une armée de plusieurs centaines d'hommes, Wilbrun Guillaume Sam prend les armes et marche vers Port-au-Prince, prêt à plonger son pays dans un nouvel abîme de chaos et de violence. Il renverse le président Théodore et s'autoproclame président à vie. Mais il ne tardera pas à affronter une vive opposition menée par le chef révolutionnaire Rosalvo Bobo. Arrêtons-nous un moment sur ce Rosalvo Bobo, personnage central de cette époque. Alors, Rosalvo Bobo, de son nom complet, Pierre-François-Joseph Benoît Rosalvo Bobo, est une figure emblématique de la politique haïtienne et du mouvement révolutionnaire du début du XXe siècle. Né en 1874 au Cap-Haïtien, il allait devenir
une force motrice dans les événements agités qui ont secoué Haïti jusqu'à l'occupation américaine de 1915. Il sera l'un des principaux artisans de la chute de Villebrun-Guillaume Sam. Doté d'une formation médicale, le docteur Rosalvo Bobo embrasse rapidement un rôle de premier plan dans les affaires de son pays. Le 14 octobre 1914, il mène une audacieuse attaque contre la prison du Cap-Haïtien dans le but de libérer des rebelles qui y étaient détenus. Bien que cet assaut ait été repoussé, il parvient à trouver refuge au consulat allemand. Il devient par la suite ministre de l'Intérieur avec l'arrivée au pouvoir de son allié Joseph Davilmar Théodore, qui sera renversé par l'un de ses fidèles qui n'est autre que Jean Villebrun-Guillaume Sam. Rosalvo Bobo, hostile aux Américains, va déclarer la guerre au nouveau président. Bon, je reviendrai en détail vous raconter cette histoire, c'est-à-dire l'histoire de Rosalvo Bobo, dans une autre émission. Dès sa montée en puissance, Villebrun-Guillaume Sam dévoile son intention de consolider son règne en imposant une politique profondément pro-américaine. Son premier acte fort est de lancer une vague d'arrestations ciblées visant non seulement ses opposants politiques, mais également leurs familles. Les rues d'Haïti deviennent le théâtre d'une répression sans précédent. Cette escalade autoritaire ne tarde pas à susciter des murmures alarmés, certains prophétisant déjà l'avènement d'une dictature. À la fin d'avril 1915, l'opinion publique est sous le choc alors que près de 200 figures éminentes d'Haïti, arrêtées sans mandat et sans preuve de culpabilité, croupissent dans les geôles du pénitencier national. Parmi eux se trouvent des intellectuels, des leaders et des personnalités politiques éminentes. Ces mesures draconiennes catalysent une résistance populaire croissante menée par l'ancien président Oreste Zamor, farouche opposant à la politique pro-américaine de Villebrun-Guillaume Sam. L'union entre Zamor et Rosalvo Bobo devient le fer de lance d'un mouvement de contestation qui ébranle les fondements du régime naissant. Dans un acte désespéré pour maintenir son emprise sur le pays, Villebrun-Guillaume Sam ordonne l'exécution de 167 prisonniers politiques, tous issus de familles influentes, mulâtres, avec des liens historiques avec la communauté allemande en Haïti. Sous les ordres du pouvoir en place, le chef de la police, un certain Charles Oscar Etienne, orchestre ses exécutions de 100 fois, allant même jusqu'à éliminer l'ancien président Oreste Zamor, symbole de l'opposition. Le matin du 27 juillet 1915, une tentative d'assassinat contre le président en place plonge le pays dans une nouvelle spirale de violence. Le président Guillaume Sam, blessé à la jambe, fuit le palais national dans la panique, trouvant refuge à l'ambassade de France. Mais l'asile diplomatique ne le protège pas longtemps. Alors que l'aube se lève sur Port-au-Prince, les cris de colère et de vengeance résonnent dans les rues. La foule, composée d'hommes et de femmes déterminés à mettre fin au règne tyrannique de Villebrun-Guillaume Sam, converge vers l'ambassade avec une détermination farouche. Les heures qui suivent vont être marquées par un chaos indescriptible. Les portes de l'ambassade sont brisées et la foule envahit le bâtiment à la recherche de leur cible. Quand ils trouvent le président, sa tentative de trouver refuge s'est révélée vaine. Les hommes et les femmes en colère le traînent hors de l'ambassade, ignorant ses supplications désespérées pour sa vie. Les coups ont plu sur lui, chaque coup portant le poids de la colère accumulée de ses opposants. La violence de la scène est exacerbée par le sentiment de justice vindicative qui imprègne la foule. Le président Sam, autrefois tout puissant, est réduit à un homme terrifié, impuissant face à la fureur de ceux qu'il avait opprimés. Finalement, son corps sans vie a été jeté sur la clôture de fer de l'ambassade, exposé comme un avertissement macabre à ceux qui seraient tentés de reproduire les pratiques de Villebrun-Guillaume Sam. Pendant les deux semaines suivantes, le pays est plongé dans un état de chaos et d'incertitude, marquant le début d'une période tumultueuse dans l'histoire d'Haïti.
Le lynchage de Vilebrun Guillaume Sam marque la fin d'une ère de tyrannie oppressante en Haïti. Mais malheureusement, cela n'a pas signifié la fin des épreuves pour le peuple haïtien. Au contraire, cet acte de violence a ouvert la voie à une période encore plus sombre de l'histoire du pays, c'est-à-dire l'occupation américaine. Dans les jours qui ont suivi la mort de Vilebrun Guillaume Sam, les navires de guerre américains ont convergé vers les côtes haïtiennes, signe avant-coureur d'une intervention étrangère qui allait durer près de 2 décennies. Le président américain Woodrow Wilson, profitant de l'instabilité politique croissante en Haïti et redoutant l'ascension de figures révolutionnaires telles que Rosalvo Bobo, a ordonné le déploiement de troupes américaines pour prendre le contrôle des ports du pays. Ce fut le début d'une période sombre et douloureuse pour le peuple haïtien, marquée par l'exploitation, la répression et la perte de souveraineté. Pendant 19 longues années, les Haïtiens ont été soumis à la domination étrangère, leurs aspirations à l'indépendance et à l'autodétermination étouffées par la présence des forces américaines. L'occupation américaine a laissé des cicatrices profondes dans le tissu social et politique d'Haïti, alimentant les tensions et les conflits qui continuent de hanter le pays jusqu'à nos jours. Si vous voulez en savoir plus sur cette période, nous avons réalisé un documentaire sur l'occupation américaine d'Haïti de 1915. Je vous mets le lien en description de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette émission. Une information de première main, en direct, sur la radio des grands événements, RFM, Radio Fréquence Mondiale. Une information de première main, en direct, sur la radio des grands événements, RFM, Radio Fréquence Mondiale. Le 28 juillet 1915, un navire de guerre américain est accosté à Port-au-Prince. À son bord, des centaines de soldats américains venus officiellement assurer une mission visant à rétablir la paix et l'ordre en Haïti. Mais en réalité, la mission a d'autres objectifs, occuper le pays et s'accaparer de ses finances publiques pour le compte de banquiers new-yorkais. Pendant 19 ans d'occupation, les massacres, les viols et les exactions de toutes sortes contre la population haïtienne sont monnaie courante. À leur débarquement, les Marines ne rencontrent aucune résistance, sauf un pauvre soldat du nom de Pierre Sully. Voulant défendre son pays, refuse d'obéir aux ordres des Marines qui lui ordonnent de déposer les armes et de vider les lieux. Il sera froidement abattu. William Caperton, l'amiral américain en charge de l'opération, procède alors au déploiement rapide de ses troupes dans la capitale. En s'emparant d'abord des points stratégiques et des bâtiments symboliques, casernes, ports, bureaux des douanes et des contributions, palais présidentiels et locaux abritant les ministères et les tribunaux. À partir du mois d'août 1915, l'occupation s'étend aux villes portuaires du pays. Et bientôt, les Américains prennent le contrôle total de l'État. Le président du Sénat, Philippe Sudre d'Artigue-Naves, accepte d'être installé par l'occupant à la présidence de la République. Les entreprises américaines débarquent dans l'île à la suite des militaires américains et s'approprient des maigres ressources du pays. Franklin Delano Roosevelt, à ce moment-là secrétaire adjoint à la marine américaine, rédige une nouvelle constitution pour l'État haïtien. Une constitution libérale qui permet désormais aux étrangers de posséder des terres en Haïti, ce qui avait été interdit depuis 1804 après la proclamation de l'indépendance par Jean-Jacques Dessalines. Au départ, les députés haïtiens refusent de ratifier cette nouvelle constitution. Les soldats américains pénètrent dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, chassent les parlementaires contestataires et font voter leur constitution par la force. Un fonctionnaire américain appelé conseiller est placé à la tête de chaque administration. Le gouvernement fantoche d'Haïti, qui a été installé par l'occupant, n'a aucun pouvoir réel. Ce sont les conseillers américains qui décident de tout et qui auront la main sur la collecte des revenus
est le dernier mot sur chaque dépense. Ils imposent la loi martiale partout dans le pays. La presse est muselée et les journalistes qui osent une critique sont emprisonnés. Dès le début de l'occupation, les Américains font face à une opposition déterminée des CACO, conduite par Charlemagne Peralta. En 1918, une insurrection des CACO est écrasée par les soldats américains. On compte plusieurs milliers de victimes. Des exactions et des violences de toutes sortes sont commises par les troupes américaines. Le militant des droits civiques américain, James Weldon Johnson, en visite en Haïti, publie un rapport dénonçant la corruption économique, le travail forcé, la censure de la presse, le racisme et la violence gratuite introduites en Haïti par l'occupation américaine. Sur cette photo d'une violence extrême, on voit un soldat américain en train d'exécuter un rebelle CACO. On lui a d'abord coupé les mains avant de l'abattre. Et par terre gît sur le sol le cadavre d'un autre homme qui probablement vient d'être exécuté. Aussi choquant que cela puisse paraître, les soldats américains ont l'autorisation de leur hiérarchie de tuer des Haïtiens, et ils ne s'en privent pas. Le racisme de certains dirigeants américains de l'époque était manifeste. Robert Lansing, secrétaire d'État américain pendant les premières années de l'occupation, considère qu'il était nécessaire d'intervenir en Haïti et que les populations noires, comme en Haïti, étaient ingouvernables et avaient une tendance inhérente à revenir à la sauvagerie. Pour bien comprendre le contexte dans lequel s'est opérée cette occupation, il faut revenir brièvement aux événements qui l'ont précédé. Entre 1911 et 1915, Haïti est empêtré dans une crise politique sans précédent. Le pays change 6 fois de président en seulement 4 ans. Les assassinats politiques et les exils forcés sont monnaie courante. Le 22 février 1915, Vilbrun Guillaume Sam s'est fait élire président de la République. Dès son accession au pouvoir, il est confronté à l'opposition de Rosalvo Bobo, chef révolutionnaire, ancien ministre de l'Intérieur et ennemi juré du président. Afin de consolider son pouvoir et d'imposer sa politique pro-américaine, le nouveau président persécute ses opposants politiques en les jetant en prison. À la fin du mois d'avril 1915, il emprisonne des dizaines de personnalités hostiles à sa politique. Mais sa situation est fragilisée car il est très contesté. Un important soulèvement populaire menace alors de renverser son gouvernement. Il garde le contrôle de la situation et fait exécuter 167 prisonniers politiques, dont la plupart issus de riches familles mulâtres ayant des liens avec la très influente communauté allemande d'Haïti. L'ancien président Aurès Zamor, l'un de ses principaux opposants politiques, est aussi exécuté. Au matin du 26 juillet 1915, le palais présidentiel est attaqué. Le président prend la fuite et se réfugie à l'ambassade de France. Une foule déchaînée s'agite devant l'enceinte de l'ambassade et réclame la peau de Vilbrun Guillaume Sam. Elle finit par faire irruption dans le bâtiment, s'empare du président, le traîne dehors où il est massacré. Ses restes sont exhibés par la foule dans les rues de la capitale. Le lendemain du drame, les troupes américaines envahissent le pays. Le président Vilbrun Guillaume Sam jouait le jeu des Américains en faisant la guerre à la communauté allemande d'Haïti, car les États-Unis sont particulièrement préoccupés par le rôle des Allemands sur l'île. Ils les soupçonnent d'être une menace pour leurs intérêts. En effet, au début du XXe siècle, la petite communauté allemande d'Haïti possède un pouvoir économique considérable. Elle contrôle une grande partie de l'économie haïtienne. Mais cette communauté allemande est plus intégrée dans la société haïtienne que les autres communautés occidentales. Certains Allemands épousent même des Haïtiennes afin de contourner l'interdiction faite aux étrangers par la Constitution de posséder des terres en Haïti. Les immigrés allemands gardent tout de même des liens étroits
avec leur pays d'origine. Les Américains les soupçonnent de faire partie d'un réseau d'espionnage allemand établi en Haïti. En 1918, le président Sud d'Artigue-Naves, sous l'influence des Américains, déclare la guerre à l'Allemagne et confisque les biens des Allemands qui vivent en Haïti. Il fait aussi emprisonner un certain nombre d'entre eux, parmi lesquels des commerçants et des hommes d'affaires. À la fin de la Première Guerre mondiale, de nombreux Allemands seront expulsés du pays et leurs biens confisqués. Cette stratégie des Américains de garder le contrôle sur la région peut en partie expliquer les raisons politiques de leur invasion dans l'île. Mais la principale cause de cette invasion est plus profonde. Un autre acteur poussait les États-Unis à envahir Haïti. Il s'agit de la banque américaine, la National City Bank, l'ancêtre de Citigroup. CIC, qui contrôlait le trésor public depuis Paris. Les banquiers français étaient alors sans pitié. Ils prélevaient des commissions, des intérêts et des frais faramineux. Les Américains sont arrivés avec l'idée d'évincer les Français afin de prendre le contrôle des finances du pays. À partir de 1920, la Citibank possède toutes les actions de la Banque nationale d'Haïti et c'est grâce à ses dettes qu'elle va réaliser ses plus grandes marges de toute la décennie de 1920. L'un des commandants des forces américaines en Haïti est le général Smedley Butler, mercenaire de guerre opérant pour la finance internationale et ayant une grande expérience dans la déstabilisation des États étrangers. Dans son ouvrage de témoignage intitulé « La guerre est un racket » paru en 1935, il fait sa déclaration fracassante. « J'ai effectué 33 ans et 4 mois de service actif et durant cette période, j'ai passé la plupart de mon temps en tant que gros bras pour le monde des affaires, pour Wall Street et pour les banquiers. En bref, j'étais un racketteur, un gangster au service du capitalisme. J'ai aidé à faire d'Haïti et de Cuba endroit convenable pour que les hommes de la National City Bank puissent y faire des profits. » Mais l'artisan et l'architecte de l'occupation américaine en Haïti est Roger Farnham, puissant lobbyiste de la National City Bank. C'est l'homme qui murmure à l'oreille des autorités américaines. C'est lui qui avait aussi auparavant conseillé au pillage des réserves d'or haïtiennes par les Marines américains. En effet, en 1914, un an avant l'invasion, plusieurs soldats américains entrent dans la Banque nationale d'Haïti et s'emparent d'une quantité d'or d'une valeur de 500 000 dollars de l'époque, avant d'embarquer pour New York, où le butin va être déposé dans une banque de Wall Street. L'État haïtien crie alors au vol et au scandale. Les Américains, pour justifier ce braquage spectaculaire, évoquent leurs intérêts qui seraient gravement menacés. Par souci d'efficacité, les Américains réalisent quelques infrastructures dans le pays, comme la construction de routes et de bâtiments publics en utilisant des méthodes scandaleuses. Ils exproprient les gens et imposent aux travailleurs des conditions proches de l'esclavage. Les soldats les attachent avec des cordes, leur font travailler sans rémunération et tirent même sur ceux qui tentent de prendre la fuite. De nombreux agriculteurs chassés de leurs terres vont gagner le maquis et rejoindre la résistance des Cacos. D'autres vont fuir vers Cuba et la République dominicaine. En 1933, arrive au pouvoir Stenio Vincent, un opposant à l'occupation. La présence des Américains en Haïti continue de susciter l'hostilité de la population. Les révoltes sont réprimées dans le sang. Les artistes et les écrivains montent au front pour dénoncer cette occupation et l'agressivité des Marines. Franklin Roosevelt, fraîchement élu président des États-Unis, signe le 7 août 1933 un accord de retrait des troupes américaines, ce qui met fin officiellement à l'occupation. En visite en Haïti en juillet 1934, le président américain réaffirme l'accord de désengagement des États-Unis en Haïti. Mais le dernier contingent de Marines américains quitte finalement le pays le 15 août 1934. Ces 19 années d'occupation, en plus du lourd bilan humain et des ravages économiques qu'elle a causés, ont aussi contribué à plonger le pays dans un tel chaos
que les Haïtiens payent encore le prix aujourd'hui. Une information de première main, en direct, sur la radio des grands événements, RFM, Radio Fréquence Mondiale. Une information de première main, en direct, sur la radio des grands événements, RFM, Radio Fréquence Mondiale. Situé dans une position stratégique le long de la côte nord d'Haïti, le Mall Saint-Nicolas a pendant longtemps attisé la convoitise des Américains qui voulaient en prendre le contrôle. Mais les Haïtiens ont tenu bon et n'ont jamais cédé ni aux pressions ni aux menaces américaines. Mais pourquoi les Américains voulaient-ils s'accaparer du Mall Saint-Nicolas? Le Mall Saint-Nicolas est un lieu hautement symbolique en Haïti. C'est à cet endroit que Christophe Colomb débarque en décembre 1492, le jour de la Saint-Nicolas. C'est d'ailleurs pour cela qu'on a baptisé l'endroit Mall Saint-Nicolas. Au cours des siècles, il est devenu un point de débarquement et de ravitaillement pour les navires en transit à travers les Caraïbes. Au XVIIe siècle, la France a établi une colonie à proximité en construisant une petite ville portant le même nom. Les Français avaient également construit plusieurs forts autour du site. Des vestiges coloniaux de ces constructions sont encore visibles aujourd'hui. Le Mall Saint-Nicolas a longtemps suscité l'intérêt des Américains et d'autres puissances étrangères pour plusieurs raisons, à la fois stratégiques et économiques. Voici quelques-unes des raisons pour lesquelles les Américains étaient particulièrement intéressés par le Mall Saint-Nicolas. Il y a d'abord sa position stratégique dont on vient d'évoquer tout à l'heure. Le Mall Saint-Nicolas est situé le long de la côte nord d'Haïti, à proximité des voies de navigation importantes dans les Caraïbes. En tant que base navale et militaire pour les États-Unis, il pourrait offrir un contrôle supplémentaire sur la région. Il y a aussi les intérêts économiques. Les deux marchent souvent de pair. Quand il y a des intérêts militaires, il y a parfois des intérêts économiques. Le port du Mall Saint-Nicolas était considéré comme un atout économique en raison de sa capacité à accueillir de grands navires et à faciliter le commerce. Les Américains y voyaient un potentiel pour développer des infrastructures portuaires et des installations afin de générer des profits. Il y a ensuite l'influence régionale. À cette époque, les États-Unis cherchaient à accroître leur influence dans les Caraïbes et en Amérique centrale. Le contrôle du Mall Saint-Nicolas aurait renforcé leur présence et leur influence dans cette partie du monde, car selon la doctrine de Monroe, l'Amérique aux Américains. Il faut entendre par là les Nord-Américains. Mais il ne faut pas oublier que tous les habitants du continent américain sont normalement des Américains. Sous la présidence de Florville Hippolyte, les États-Unis étaient à ce moment-là à la recherche d'un emplacement approprié pour établir une base navale dans les Caraïbes. Le Mall Saint-Nicolas était l'endroit idéal. C'est l'un des principaux points stratégiques d'Haïti. Cette péninsule surélevée située à l'extrême nord-ouest, à environ 250 km au nord de Port-au-Prince, est l'endroit rêvé des Américains pour établir une base militaire. Mais les ambitions des États-Unis ont rencontré une forte résistance de la part des autorités haïtiennes et de la population locale. Et ceci pour une raison simple. Les Haïtiens considèrent le Mall Saint-Nicolas comme un symbole de la souveraineté nationale et sont réticents à céder le contrôle aux étrangers. En 1891, le président Florville Hippolyte et son ministre des Affaires étrangères, Anténor Firmé, subissent d'énormes pressions des Américains pour qu'ils cèdent le Mall Saint-Nicolas. Les Américains étaient à cette époque-là sur le point de s'accaparer du lieu. Ils ont dépêché une flotte navale dans les eaux territoriales haïtiennes avec plus de 100 canons et 2000 membres d'équipage. À l'arrivée de la flotte, le bruit courait dans la population que le gouvernement haïtien avait vendu le Mall Saint-Nicolas aux Américains. Mais ce n'était pas tout à fait le cas. L'armée américaine était venue négocier l'acquisition du Mall Saint-Nicolas tout en essayant d'intimider le gouvernement haïtien avec la présence d'une puissante flotte militaire, et Anténor Firmé, qui était chargé de négocier avec les Américains, a tout bonnement refusé de céder aux pressions. Les Américains sont donc repartis bredouilles. Il faut aussi préciser que c'est aussi à cause de la mobilisation populaire que le gouvernement haïtien n'a pas cédé. À l'arrivée des troupes américaines, la population haïtienne se mobilise et proteste dans tout le pays, accusant le gouvernement de Florville Hippolyte d'avoir vendu la péninsule aux Américains. Cela a renforcé les réticences du gouvernement, et Anténor Firmé, qui était un homme de conviction, a tout simplement refusé d'accéder aux demandes des Américains.
À cette époque, l'ambassadeur américain en Haïti était Frederick Douglass, un Afro-Américain et figure éminente de la lutte contre l'esclavage et qui a été lui-même esclave. Frederick Douglass était un militant abolitionniste très célèbre. Il était devenu par la suite un haut fonctionnaire américain. Vous imaginez bien l'embarras dans lequel il se trouve. En tant qu'ambassadeur des États-Unis, il se doit de défendre les intérêts de son pays, mais en tant que militant abolitionniste défendant les opprimés, il ne pouvait pas cautionner les agissements expansionnistes de son gouvernement cherchant à s'accaparer d'une partie du territoire d'Haïti, la première nation libre fondée par d'anciens esclaves. Le secrétaire d'État américain de l'époque, James Blaine, a donné ses instructions concernant la négociation du MOL directement à l'amiral Bancroft Gherardi sans passer par l'ambassadeur Douglass. C'est cet amiral qui commandait d'ailleurs la flotte navale venue intimider les Haïtiens. Douglass, quant à lui, a reçu l'ordre de coopérer avec l'amiral pour l'acquisition du MOL dans l'intérêt des États-Unis. Étant une personnalité très respectée auprès des autorités haïtiennes, Frederick Douglass a essayé de jouer la carte de la négociation. Au départ, il tente de convaincre les Haïtiens de céder le MOL, mais à mesure que l'amiral Gherardi et ses hommes se montrent menaçants en voulant s'accaparer du MOL par la force, Douglass se retire des négociations. Après plus de 2 mois de négociations, de menaces, d'intimidation et de démonstrations de force, Anténor Firmin adresse le 22 avril 1891 une note officielle aux émissaires américains pour leur annoncer le refus de son gouvernement de céder le MOL. Le lendemain, Douglass annonce à son gouvernement l'échec des négociations à travers un télégramme où il indique « Haïti refuse de céder le MOL ». Dans la note rédigée par Anténor Firmin pour signifier son refus de céder le MOL Saint-Nicolas, il déclare que accepter la demande américaine serait aux yeux du gouvernement d'Haïti un outrage à la souveraineté nationale de la République et une violation flagrante de l'article 1er de la Constitution, car en renonçant au droit de disposer de son territoire, Haïti en aurait consenti l'aliénation tacite. Mais Firmin ajoute aussi une autre raison qui motive le refus de son gouvernement à l'affermage du MOL. Car officiellement, les Américains disaient vouloir louer le MOL Saint-Nicolas. Firmin déclare que l'impressionnante flotte de la marine américaine a fait mauvaise impression et a soulevé une indignation dans toute la population. Il ajoute que même si la Constitution aurait autorisé la cession du MOL, le gouvernement haïtien ne pouvait pas céder, ne pouvait pas négocier avec les Américains sans paraître céder aux pressions étrangères et compromettre l'indépendance du peuple haïtien. Quelques jours après les faits, Anténor Firmin démissionne de son poste de ministre des Affaires étrangères. En mai 1891, le pays fait face à de nombreuses violences. Le gouvernement, craignant l'insurrection, procède à des arrestations et des exécutions sommaires. Mais les rumeurs concernant le MOL persistent. Le bruit courait, faisant croire que le gouvernement a signé pour céder le MOL aux Américains. Le président Hippolyte est obligé de démentir les rumeurs. Dans un discours publié dans le Moniteur du 6 mai 1891, il répète qu'il n'avait pas signé la cession du MOL ni d'aucune partie du territoire et que cela n'arrivera jamais. Et pour montrer sa bonne foi, Hippolyte promet même de publier les correspondances entre les États-Unis et Haïti au sujet du MOL et accuse ouvertement l'opposition d'être à l'origine des rumeurs. Profitant de cette instabilité politique, Frederick Douglass démissionne de son poste d'ambassadeur des États-Unis en Haïti le 1er juillet 1891. La presse américaine l'accuse d'être la cause de l'échec de l'affaire du MOL Saint-Nicolas. Douglass se défend en rejetant la faute sur l'amiral Gherardi, qui n'était pas assez diplomate et qui voulait régler le problème en gonflant ses muscles. Mais la position de Douglass dans cette histoire reste très ambiguë. Il a essayé de convaincre les Haïtiens d'accepter qu'une partie de leur territoire soit cédée aux Américains tout en s'opposant à l'impérialisme néocolonial. C'est une position intenable, mais on peut comprendre car il voulait à la fois défendre son pays en assumant son rôle d'ambassadeur et aussi rester fidèle à ses propres convictions. Quant à Anténor Firmin, il s'installe en France et sera nommé par la suite ambassadeur d'Haïti à Paris. Quelques années plus tard, en 1896, le président Florville Hippolyte est décédé d'un infarctus. Il y a 2 observations à faire par rapport à cette histoire. D'abord, elle montre quelque chose de très intéressant.
Quand les puissances occidentales font pression pour obtenir quelque chose, si elles rencontrent un peu de résistance et de fermeté, les choses pourraient peut-être se passer autrement. Mais hélas, dans le cas d'Haïti, c'est souvent la lâcheté et la soumission qui guident les rapports entre les États-Unis et les dirigeants d'Haïti, même s'il faut reconnaître que le rapport de force n'est pas en faveur d'Haïti. Mais heureusement qu'on a également des cas comme celui de l'affaire du Môle Saint-Nicolas, où les dirigeants haïtiens ont su tenir tête aux puissants voisins, malgré les pressions et les menaces. L'autre remarque que j'aimerais faire ici, c'est concernant les rumeurs persistantes qui circulaient dans la population à l'époque et qui accusaient le gouvernement d'avoir vendu le môle aux Américains, même après le départ de ces derniers. En fait, si ces rumeurs sont si persistantes, c'est parce que les gens sont méfiants, car un précédent président haïtien du nom de Lysius Salomon avait justement proposé aux Américains de leur céder l'île de la Tortue en échange de leur protection contre ses ennemis politiques. Mais les Américains avaient décliné l'offre. Cette histoire, je vous la raconterai dans un prochain épisode d'Une page d'histoire. Le Môle Saint-Nicolas, avec son histoire riche et sa position stratégique, est un trésor caché sur la côte nord d'Haïti. En tant que témoin de la révolution haïtienne et des ambitions géopolitiques du XXe siècle, il incarne la résilience et la détermination d'Haïti à préserver malgré tout sa souveraineté nationale. Une information de première main, en direct, sur la radio des grands événements, RFM, Radio Fréquence Mondiale. Une information de première main, en direct, sur la radio des grands événements, RFM, Radio Fréquence Mondiale. Proverbe l'a dit, moun qui souhaite pour vous, c'est pour nous changer chemise. C'est pas ailleurs avec jodi depuis Jacques, notre Jesse Multiple Services, a servi communauté. Ah. Mes amis, tout le monde boucle n'a connu Jacques. Yon seul bagaille toujours a dit. Jacques, bon vrai, oui. Li bon bon information, oui. Mais l'orgue business ou botel ba on l'autre monde. Mes amis haïtiens, moi yo, suspend mort dessoufflé. Tant coup des centaines de monde qui prennent service sur le bois, passer dans Jesse Multiple Services. Affaires income tax, immigration, notaire, recherche de documents en Haïti, traduction de documents, c'est Jesse Multiple Services. Mande qui nomme. Ça fait 200 m'a fait taxe avec yo, m'a gagné rien pour me reprocher. Non seulement moi j'ai une copine rapide, service la pas cher et li bon. C'est pas seulement income tax, rapide refund, électronique filing. Fil tax aujourd'hui, joigne comme la demain. Ces affaires immigration, ce master yoye dans ça. Mais ça me donne pas les deux chaque. Mal pas ça le bon comme ça, non? Parce que ça fait immigration, papier travail moins. C'est eux qui réglent. Yo fait affaire citizenship tout. Parce que l'autre jour, madame, ma petite n'a pas pour entrer. C'est eux même qui réglent ça. Et puis ça qui pise, n'y a pas chargement pile pour ça. Passez ouais, Jesse Multiple Services, 926 Utica Avenue, entre Church et Snyder dans Brooklyn. Téléphone dans c'est 718-469-1566. Ou sinon 347-576-6957. Parfum français, CD haïtien, transfert sur Haïti avec Unitransfer, c'est Jesse Multiple Services. Même Jean Kessler dit, Remé Moun qui Remo, Jesse. La participation des Haïtiens à la guerre d'indépendance américaine est un aspect méconnu mais très significatif de l'histoire des États-Unis d'Amérique. Les Haïtiens ont apporté une contribution très importante aux côtés des insurgés américains dans leur lutte pour l'indépendance face aux Anglais. L'une des batailles les plus notables où des soldats haïtiens ont combattu aux côtés des Américains est la bataille de Savannah en 1779. Des régiments noirs, notamment les chasseurs volontaires de Saint-Domingue, ont participé à cette bataille et ont fait preuve de bravoure. Les États-Unis, avant d'être la superpuissance qu'on connaît aujourd'hui, étaient constitués de simples colonies britanniques. Et pour s'émanciper de l'Empire britannique, ces colonies ont dû faire la guerre pour chasser les Anglais. Cette guerre, connue sous le nom de guerre d'indépendance américaine, a été un conflit majeur qui s'est déroulé entre 1775 et 1783, opposant les colonies britanniques d'Amérique du Nord à la Grande-Bretagne. Cette guerre a abouti à la création des États-Unis d'Amérique en tant que nation indépendante et a eu un impact profond sur le cours de l'histoire mondiale. L'un des temps forts de la guerre d'indépendance des États-Unis est le siège de Savannah. Et c'est là que vont intervenir les Haïtiens. Mais avant cela, rappelons ce que c'est le siège de Savannah.
Au moment de la guerre d'indépendance américaine, Savannah a été la capitale de la Géorgie, qui est alors une colonie de plantations peu peuplée qui a connu des arrivées d'esclaves noirs seulement après 1750. En 1778, la ville de Savannah est investie par l'armée britannique et les Américains, cherchant par tous les moyens à les faire reculer, demandent de l'aide à la France. La même année, la France et les colonies rebelles de l'Empire britannique, qui n'étaient pas encore les États-Unis, signent un traité du nom de Traité de l'Alliance franco-américaine. Les deux parties se mettent d'accord pour combattre les Anglais et obtenir l'indépendance du territoire de l'Amérique du Nord. Donc, le siège de Savannah est une bataille pendant la guerre d'indépendance américaine qui s'est déroulée en 1779, opposant l'armée britannique à l'armée française et leurs alliés américains. Mais les combattants français étaient constitués pour une bonne partie de Noirs libres venus des Antilles françaises. Et c'est là qu'entre en jeu Haïti, qui, comme vous le savez, s'appelait à l'époque Saint-Domingue, qui était une colonie française. Tout d'abord, le contexte. En juillet 1779, l'ancien gouverneur de Saint-Domingue, Charles-Henri d'Estaing, alors général et vice-amiral des forces navales de France, est chargé de constituer une armée afin de voler au secours des Américains. À la tête d'un corps expéditionnaire de plusieurs milliers d'hommes, il se rend donc à Saint-Domingue pour recruter des volontaires prêts à combattre aux côtés des Américains afin de repousser les Britanniques. Parmi les volontaires recrutés sur place, une quantité de Noirs libres parmi les Haïtiens rejoint le corps expéditionnaire. Ces hommes forment ce qu'on appelle les chasseurs volontaires de Saint-Domingue, institués officiellement par une ordonnance du 12 mars 1779 du gouverneur de l'île de Saint-Domingue. Ces volontaires noirs composés de Noirs libres, de mulâtres et d'esclaves à qui on avait promis la liberté une fois leur mission accomplie étaient plusieurs centaines, 1500 selon certaines sources, 800 ou 1050 selon d'autres. Aux côtés de ces volontaires de Saint-Domingue, il y avait aussi de nombreux autres Noirs venus de la Martinique et de la Guadeloupe. Parmi les volontaires haïtiens, on trouve des figures célèbres de la Révolution haïtienne. Mais à l'époque, beaucoup d'entre eux étaient très jeunes et étaient loin d'imaginer le destin qui sera le leur par la suite. On va s'arrêter un peu sur le profil de cinq de ces hommes vaillants ayant intégré les chasseurs volontaires de Saint-Domingue. Tout d'abord, André Rigaud, alors âgé de 26 ans. André Rigaud deviendra par la suite général. Il participe à la Révolution haïtienne. C'était le chef du parti mulâtre opposé à toute l'ouverture. Il y a ensuite Pierre Faubert, âgé de 27 ans, père du poète Pierre Faubert. Il sera par la suite général de la Révolution haïtienne. On trouve ensuite Vilat, âgé de 26 ans au moment de son intégration au corps des volontaires. Il sera par la suite un général de brigade de la Révolution française, de l'armée française, ce qui était exceptionnel à l'époque pour sa condition d'homme noir. On trouve également Laurent Férou, alors âgé de seulement 14 ans. Il sera blessé pendant la guerre d'indépendance américaine. De retour à Saint-Domingue, il fera partie des révolutionnaires qui ont combattu pour l'indépendance haïtienne. En 1799, il est nommé capitaine dans l'armée d'André Rigaud. En 1802, Férou commande l'insurrection populaire haïtienne contre les forces françaises. Il remporte plusieurs succès militaires contre les forces franco-polonaises. Après l'indépendance, certains colons ont eu la vie sauve grâce à lui. Dans la crainte d'un retour des Français qui hantait les esprits et dans le cadre de la défense du territoire national, il élève le fort Marfranc au cœur de la chaîne de Macaya, dans la vallée de la Grandence. En 1806, il s'oppose à Dessalines et pousse la ville de Jérémie à se rebeller contre l'empereur. Il meurt le vendredi 16 janvier 1807 et est enterré dans le fort Marfranc. Autre figure célèbre des volontaires de Saint-Domingue est Jean-Baptiste Chavannes. Jean-Baptiste Chavannes est âgé de 24 ans lors de son incorporation au corps des volontaires. Il sera lui aussi blessé au combat. À son retour à Saint-Domingue, il s'engage dans la lutte pour la liberté et connaît une fin tragique. En 1790, il soutient la révolte de Vincent Auger à Saint-Domingue pour obtenir l'égalité des droits entre les Blancs et les libres de couleur, c'est-à-dire les mulâtres et les noirs libres.
La révolte ayant échoué, ils sont livrés aux autorités françaises par les Espagnols auprès desquels ils étaient réfugiés. Condamnés au supplice de la roue et exécutés le 25 février 1791, leur combat inspira sans doute le soulèvement des esclaves en 1791. La dernière figure qui nous intéresse parmi les chasseurs volontaires de Saint-Domingue est Henri Christophe. Henri Christophe est âgé de 12 ans lors de son incorporation. Et oui, il n'avait que 12 ans, c'était encore un enfant quand il s'engage dans le corps des volontaires pour aller combattre pour l'indépendance américaine. Il n'avait que 12 ans. Comment pouvait-il être volontaire, c'est-à-dire s'engager de son plein gré pour aller combattre un ennemi qu'il ne connaissait même pas alors qu'il n'était qu'un enfant? Et puis cela nous dit aussi une autre chose sur Christophe, c'est qu'il a dû combattre toute sa vie. D'abord pour les Américains dans leur guerre contre les Anglais, ensuite dans la Révolution française, puis dans la Révolution haïtienne pour combattre l'ignominie de l'esclavage. Et enfin, sa dernière bataille contre les insurgés de son royaume où il a dû se suicider. Christophe est un sacré personnage qui aurait dû davantage intéresser les historiens. Et ce n'est pas pour rien que le poète martiniquais Aimé Césaire lui a consacré un très beau texte intitulé « La tragédie du roi Christophe ». Revenons au combat de Savannah pour lequel ces hommes ont été recrutés. Le corps des chasseurs volontaires de Saint-Domingue quitte le Cap français le 15 août 1779 et débarque en Géorgie trois semaines plus tard, le 8 septembre 1779. Ils se retrouvent face à une ville de Savannah assiégée et il faut qu'ils viennent en aide aux insurgés américains, alors en grande difficulté face aux Anglais. Les troupes françaises alliés aux troupes américaines, montent à l'assaut lors des combats qui commencent le 16 septembre à l'aube devant Savannah face aux troupes britanniques. Les Américains, aidés des hommes du général Charles-Henri d'Estaing, vont tenter de reprendre la ville. À leur arrivée en Géorgie, les chasseurs volontaires de Saint-Domingue sont à l'avant-garde des opérations. Pendant plus d'un mois, entre le 16 septembre 1779 et le 18 octobre 1779, les combats s'intensifient. Les Anglais ont coulé plusieurs de leurs navires pour empêcher à la flotte ennemie d'approcher. Les navires français qui transportaient les soldats volontaires des Antilles ont eu beaucoup de mal à s'approcher des côtes georgiennes. Cela a rendu le siège complexe en termes de logistique. Le 9 octobre 1779, un assaut majeur contre les Britanniques échoue, ce qui fait place à une retraite générale après de lourdes pertes. Cet échec met fin à la tentative de reprendre la ville aux Britanniques. Les Anglais conservent donc le contrôle de la Géorgie jusqu'en 1782, mais renoncent plus tard à en faire le pivot de leur offensive. Pendant le siège de Savannah, de nombreux soldats des chasseurs volontaires de Saint-Domingue se font tuer. D'autres se feront prisonniers. Les survivants, souvent blessés, sont retournés à Saint-Domingue. On compte parmi eux les héros que l'on a mentionnés plus haut et ils seront parmi les artisans de l'indépendance haïtienne. À la suite de cette bataille, les historiens sont unanimes sur le fait que si une bonne partie des forces françaises ont survécu, c'est principalement grâce à l'héroïsme et à la discipline des Noirs volontaires de Saint-Domingue. Les héros haïtiens de la guerre d'indépendance américaine ont acquis une expérience militaire et stratégique qui va leur être utile dans leur future lutte pour l'indépendance d'Haïti. Ils sont retournés dans leur île avec la conviction que la liberté et l'égalité ne doivent plus être l'apanage des Blancs. Eux aussi sont des hommes et des femmes. Après avoir combattu pour la liberté des autres, comment ne pas envisager la leur? Cette expérience a sûrement renforcé leur aspiration à vivre en homme libre au même titre que le Blanc. Et ce n'est pas pour rien d'ailleurs que presque tous ceux qui ont participé au combat de Savannah ont aussi combattu les Français quelques années plus tard avec le même mot d'ordre. Liberté et égalité, vivre libre ou mourir. Après l'indépendance d'Haïti, les États-Unis ne manifesteront aucune reconnaissance. Bien au contraire, les États-Unis qui ont bénéficié de l'aide des Haïtiens pour tenir tête aux Anglais vont catégoriquement refuser de reconnaître l'indépendance haïtienne. La liberté que prônaient les Américains à cette époque-là était à géométrie variable. Après l'indépendance américaine, l'esclavage continue encore sur le sol américain pendant encore près de 90 ans.
alors qu'Haïti a aboli l'esclavage. Donc, reconnaître l'indépendance haïtienne, ce serait vouloir la liberté et l'émancipation des Noirs américains aussi. Le refus de reconnaître l'indépendance haïtienne était non seulement une ingratitude, une injustice, mais c'était aussi leur manière de justifier ce qui se passait chez eux, c'est-à-dire l'ignominie de l'esclavage. Non seulement ils n'ont pas été reconnaissants, mais ils ont voulu empêcher la révolution haïtienne. Pendant la guerre de l'indépendance haïtienne, certains politiciens américains sont venus en aide aux colons de Saint-Domingue, les propriétaires d'esclaves. Par exemple, le gouverneur de la Caroline du Sud, un certain Pinckney, prend la tête d'un vaste mouvement de solidarité en faveur des colons de Saint-Domingue, afin de les aider à résister à l'insurrection des Noirs. Il arrive à convaincre ses concitoyens de rassembler nourriture, armes et munitions pour être envoyés aux Blancs du Cap français. Les États-Unis vont finalement reconnaître Haïti très tardivement en 1862, après la France, même si celle-ci avait conditionné sa reconnaissance à une dette énorme qui a littéralement asphyxié le pays. Au lieu d'une reconnaissance, Haïti a subi les pires humiliations du puissant voisin. Une occupation américaine violente en 1915 qui a fait des dégâts énormes, massacres, pillages des ressources du pays, etc. Nous avons réalisé un documentaire là-dessus. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien en description. Non seulement les Américains n'ont pas été reconnaissants envers les Noirs de Saint-Domingue pour leur participation dans leur guerre d'indépendance, mais aussi cette participation a été occultée. Et plusieurs éléments peuvent expliquer le fait que cette histoire a été longtemps occultée. Il faut savoir que l'histoire a souvent été écrite par les vainqueurs. Et dans le cas de la guerre d'indépendance américaine, la focalisation a été principalement mise sur les contributions des colons américains d'origine européenne. Les récits historiques ont souvent omis les contributions des Afro-Américains, des Amérindiens et d'autres groupes minoritaires, y compris les Haïtiens. Ensuite, la société américaine, y compris les cercles académiques, a été marqué par des préjugés raciaux et une discrimination systémique depuis des siècles. Cela a souvent conduit à minimiser ou ignorer les réalisations des Afro-Américains, y compris leur rôle dans des événements historiques importants. Après la guerre d'indépendance américaine, les États-Unis et Haïti ont évolué sur des trajectoires distinctes. Les États-Unis ont choisi d'établir des relations avec la France, tandis qu'Haïti est devenue la première nation noire indépendante, ce qui a créé des tensions entre les deux pays. Cette rivalité pourrait avoir contribué à l'omission de l'histoire des Haïtiens dans les récits américains. Malgré cette ingratitude des Américains, ce qu'il faut retenir, c'est que la participation des Haïtiens à la guerre d'indépendance américaine a eu un impact durable. Elle a montré que les Haïtiens étaient prêts à se battre non seulement pour leur propre liberté, mais aussi pour celle des autres. Une information de première main, en direct, sur la radio des grands événements, RFM, Radio Fréquence Mondiale. Proverbe l'a dit, moun qui souhaite pour vous, c'est pour nous changer chemise. C'est pas ailleurs avec Jody depuis Jacques dans Jesse Multiple Services à servi communauté. Ah. Mes amis, tout le monde boucle n'a connaît Jacques. Yon seul bagaille toujours a dit. Jacques, bon vrai, oui. Li bon bon information, oui. Mais l'organ business ou pote le baron l'autre monde. Mes amis haïtiens, moi yo, suspend moi dessoufflé. Tant coup des centaines de monde qui prennent service sur le bois, passe dans Jesse Multiple Services. Affaires income tax, immigration, notaire, recherche de documents en Haïti, traduction de documents. C'est Jesse Multiple Services. Mande qui nomme. Ça fait 200 m'a fait taxe avec yon, pas gagne rien pour me reprocher. Non seulement moi j'ai un coupon rapide, service la pas cher et li bon. C'est pas seulement income tax, rapide refund, électronique filing. Fil 4 aujourd'hui, joigne comme la demain. Ces affaires immigration, ce master yoye dans ça. Mais si vous n'avez pas les deux chaque, je ne pense pas que c'est bon comme ça, non? Parce que ces affaires immigration, papier travail, moins, c'est eux qui réglent. Vous faites affaire de citizenship tout, parce que l'autre jour, madame, ma petite, vous avez pour entrer. C'est eux même qui réglent ça. Et puis, ça qui est bien, pas chargé en pile pour ça. Passez, ouais, Jesse Multiple Services, 926 Utica Avenue, entre Church et Snyder, dans Brooklyn. Téléphone, non, c'est 718-469-1566. Ou sinon, 347-576-67.
3957. Parfum français, Sidi haïtien, transfert sur Haïti avec... Si tu es dans une position... Jesse Multiple Services, même Jean Ketsley dit, Rémé Moun qui Rémo, Jesse. Cinq sept actualités. Débil fait l'essa. Toute ville la branché. Rale tichèze bar pour coûter tout zin qu'a fait actualité dans le pays d'Haïti à reste mode là. 5-7 actualité, c'est pas yon boule bolette, c'est pas yon chiffre, c'est qu'on s'allie. Soit émission, pour qu'on plisse, rendez-vous chaque dimanche à JC sur Radio Fréquence Mondiale. Clément Barbeau et François Duvalier, c'est l'histoire d'une longue amitié forgée dans le sang pendant la conquête du pouvoir. Une relation faite de fidélité, de trahison, de complot, d'intrigues et de crimes. Barbeau, le boucher de Duvalier, le tortionnaire du régime, l'ami intime, celui qui a sauvé la vie du chef, plus d'une fois est trahi et jeté en prison. À sa libération, Barbeau jure d'assassiner François Duvalier et il va s'en donner les moyens. Voici l'histoire de l'homme qui a fait trembler Papa Doc. Clément Barbeau est un ancien instituteur originaire de Saint-Marc. Lorsqu'il rencontre le docteur François Duvalier pour la première fois, il vient de perdre son travail au ministère de l'Agriculture. Duvalier, qui travaillait alors comme consultant à la mission sanitaire américaine en Haïti, va l'aider à retrouver du travail chez les Américains. Dès lors, les deux hommes ne se quitteront plus. De tempérament vif et fougueux, Barbeau anime un petit groupe autour du docteur en qui il pressentait déjà un destin national. Barbeau devient rapidement l'homme de main de Duvalier, exécuteur des sales besognes pour le docteur François Duvalier. Dans le climat d'agitation sociale et d'instabilité politique de la campagne électorale de 1957, c'est lui qui sera chargé d'intimider les autres candidats. Il est impliqué dans un attentat à la bombe à Carrefour au soir du 1er avril 1957 et en fait plusieurs morts et blessés. À l'époque, personne ne le connaissait. Son nom apparaît aux côtés de Fritz Cienéas, Charles Lahens et un Cubain du nom de Thémistocle Fuentes. Barbeau et ses camarades sont soupçonnés de travailler pour le médecin candidat. Mais Duvalier jure au micro de Radio Port-au-Prince qu'il ne les connaît pas, qu'il ne les a jamais rencontrés. Comment imaginer, à moins d'être fou, que lui, Duvalier, un homme voué à la médecine, un fils du peuple, puisse avoir des liens avec des brigands, des terroristes, des ennemis publics? La fable docteur veut se montrer respectable pour l'instant, car il n'est que candidat. Après l'attentat, Barbeau et ses camarades gagnent le maquis et leurs têtes sont mises à prix. Pendant sa fuite, Barbeau, très confiant, il fait imprimer des cartes de visite à son nom avec la mention « chef de la police secrète ». Un mois après l'arrivée au pouvoir de Duvalier, il promulgue une amnistie visant à gracier tous ceux qui sont accusés de crimes politiques pendant la campagne électorale. La manœuvre visait en fait à blanchir son ami Clément Barbeau et ses complices. Barbeau va rapidement devenir l'homme le plus craint d'Haïti. Sa présence inspire la terreur. Quand un opposant politique est arrêté, c'est lui qui se charge de l'interroger. Et il est efficace dans cette technique brutale pour faire parler les prisonniers politiques. Barbeau sera aussi affecté à la sécurité personnelle du président. Mais ses activités vont au-delà. Il encourage François Duvalier à conclure un accord de protection mutuelle avec le dictateur dominicain Rafael Trujillo. En échange de son aide pour traquer ses ennemis politiques à la frontière, Duvalier s'engage à fournir de la main-d'œuvre bon marché pour les plantations de canne à sucre en République dominicaine. C'est grâce à Barbeau que cet accord a pu avoir lieu parce qu'il était un proche du dictateur dominicain. Barbeau récupère quand même un bénéfice financier confortable de cet accord conclu sur le dos des Haïtiens qui vont être traités comme des esclaves dans les plantations dominicaines. Homme de confiance de Papa Doc, Barbeau devient assez rapidement secrétaire particulier du président et chef des Tontons Macoutes, la nouvelle milice au service du régime.
Barbeau et sa bande posent des bombes et brûlent les maisons des opposants politiques. En plein jour, ils lancent deux bombes dans les locaux du journal Le Patriote, qui avait soutenu la candidature de Clément Dumel, opposant à Duvalier et candidat aux élections de 1956. En 1958, plusieurs bombes explosent dans la capitale. On soupçonne Barbeau d'en être l'instigateur afin d'accuser les opposants. Le 30 avril 1958, une explosion détruit une vieille maison à Mahautière, à plusieurs kilomètres de Port-au-Prince. Duvalier va considérer que c'est un attentat contre sa personne et accuse l'opposant Louis Desjoies d'être le commanditaire. Le 29 avril, on découvre une fabrique d'explosifs sur la route de Frères, à proximité d'un point où Duvalier devait passer le lendemain pour se rendre à Pétionville. La fabrique explose et on retrouve un homme blessé qui avoue que c'est un complot. Il donne les noms des comploteurs qui sont tous arrêtés. Ceux-ci sont évidemment des opposants politiques. Et pour Duvalier, il s'agit là d'un deuxième attentat auquel il vient d'échapper. Rappelons qu'il devait passer par là le lendemain. Un attentat contre sa personne, le mot est assez fort. Barbeau était probablement l'auteur de ces manœuvres afin de justifier les répressions sanglantes des opposants au régime. Clément Barbeau va prouver sa fidélité et sa loyauté envers Duvalier en lui sauvant la vie. Dans la nuit du 24 mai 1958, Duvalier a failli mourir. Le président a eu une crise cardiaque. Son médecin personnel, le docteur Jacques Faucan, croyant qu'il est tombé dans un coma diabétique, lui administre de l'insuline. Faucan était un brillant neurochirurgien formé aux États-Unis et qui avait toute la confiance du président. Duvalieriste de la première heure, il était aussi directeur de la Croix-Rouge. Mais là, Faucan vient de commettre une grave erreur. Et c'est un médecin du nom de Rosarion, appelé également au chevet du malade, qui a fait remarquer que le docteur Faucan a fait une erreur de diagnostic et que le président risque de mourir. Sous ses conseils, Barbeau se précipite au milieu de la nuit à la recherche d'une pharmacie. Il fonce la porte de la première pharmacie trouvée sur son chemin et exige qu'on lui remette du glucose en urgence. Et c'est ce qui a sauvé Duvalier. Le jeune docteur Rosarion, disciple zélé de Duvalier, s'étonne qu'un médecin de la science de Faucan ait pu faire une telle erreur. Il suggère que Faucan aurait pu volontairement attenter à la vie du président. Pour avoir douté de la loyauté et de la compétence du grand docteur Faucan, Rosarion est arrêté et tabassé par les tontons Macoute. Mais Duvalier le recevra par la suite au Palais National et lui exprimera ses regrets, disant qu'il n'était pas au courant de son emprisonnement. Il lui remettra une enveloppe de 1 000 $ comme dédommagement. Mais pour revenir à cette soirée où Duvalier a failli mourir d'une crise cardiaque, il faut savoir qu'il n'est pas sorti d'affaire. L'intervention du docteur Rosarion lui a certes sauvé la vie cette nuit-là, mais il reste encore très malade. Et c'est Barbeau qui va continuer de jouer des pieds et des mains pour sauver son ami. Il demande de l'aide à l'ambassadeur américain en Haïti, qui fait venir une équipe de cardiologues américains de la base navale à Cuba, et aussi deux spécialistes de New York. Pendant 30 jours, les médecins américains restent au chevet du président. Mais le bruit court dans la population que Duvalier serait mort au Palais National. Barbeau passe ses instructions au ministre de l'Information qui annonce dans un communiqué que le président a la grippe et qu'il a besoin de se reposer. Sans le dévouement et la détermination de Barbeau, Duvalier serait effectivement mort. Et entre-temps, c'est Clément Barbeau qui dirige le pays. Il assure les fonctions de chef d'État, c'est lui qui préside le Conseil des ministres, publie des communiqués et prend toutes les décisions. Il est à l'aise dans la fonction de président, et c'est là l'erreur de Barbeau. Il semble prendre goût au pouvoir, et Duvalier n'aime pas ça. Barbeau suscite de la jalousie auprès des autres duvaliéristes, et des rivaux s'activent pour le faire tomber. En novembre 1959, son fils étudiant en médecine dans une université allemande tombe malade. Il se rend aussitôt à son chevet en Allemagne.
Son absence du Palais national sera l'occasion pour ses rivaux d'alimenter les soupçons de Duvalier sur son bon ami. Et lorsque Barbeau revient au pays, le travail de sape sera presque achevé. Et Duvalier, qui se méfie des ambitions de son ami, commence à envisager sa mise à l'écart. Pendant sa convalescence, Barbeau s'est révélé être un administrateur efficace, ce qui est une menace. Et en plus, il semble être proche des Américains. Dans l'esprit de Papadoc, son ami pourrait à tout moment le trahir, même si jusqu'à présent, parmi les proches de Duvalier, il est celui qui fait preuve de plus de loyauté et d'efficacité. Duvalier sait qu'il doit beaucoup à Barbeau. Celui-ci a toujours été là pour lui. Il lui a sauvé la vie. Mais la reconnaissance n'est pas le fort de Papadoc. D'ailleurs, il aurait lui-même déclaré que la reconnaissance est une lâcheté. Au retour de Barbeau, des luttes d'influence entre fractions rivales des Tontons Macoutes s'affichent au grand jour. Un garde du corps de Barbeau est assassiné et celui-ci riposte en exécutant une personnalité du camp adverse du nom de Roger Rousseau, médecin et haut dignitaire des Tontons Macoutes. Le 14 juillet 1960, après avoir participé à une réception à la résidence de l'ambassadeur français, Barbeau, accompagné de son épouse, rentré chez lui, escorté des Tontons Macoutes. Tout semble tranquille. Soudain, des soldats de la garde présidentielle armés jusqu'aux dents surgissent au moment où il s'apprête à rentrer chez lui. Barbeau et ses gardes du corps sont désarmés. Les 6 heures qui suivent, il les passera prisonniers dans sa propre résidence. Il tente de s'enfuir en se cachant dans un sac de linge sale, mais sans succès. Le jour suivant, il est conduit à Fort Dimanche sur l'ordre de Duvalier. Et là, le chef des Tontons Macoutes, l'ami personnel du président, est soumis au même interrogatoire qu'il faisait subir aux opposants du régime. Officiellement, Barbeau est accusé de malversation financière. On a retrouvé beaucoup d'argent chez lui. Il est interrogé sur l'origine de ses fonds. Duvalier était au courant dès le début des combines de Barbeau, et cela ne semblait pas le déranger outre mesure. Mais maintenant, Barbeau devient une menace parce qu'il a des ambitions et qu'il se prend trop au jeu et représente une menace. Duvalier veut s'en débarrasser. Tout est bon pour l'éliminer. Pour l'instant, il est incarcéré dans la célèbre prison de Fort Dimanche. Dix-huit mois se sont écoulés et Barbeau est toujours emprisonné à Fort Dimanche. Il est devenu l'ombre de lui-même. Après des mois dans l'enfer de Fort Dimanche, Papadoc ordonne sa libération sans procédure. Barbeau est libéré et reçoit en cadeau une voiture flambant neuve. L'ancien exécuteur des bas œuvres du régime a profondément changé durant son emprisonnement. On prétend qu'il s'est converti au christianisme et est devenu un homme pieux. Il n'est plus un danger pour personne, dit-on. Pendant les jours qui ont suivi sa libération, l'ancien prisonnier reste enfermé chez lui et ne voit plus personne. Il sort seulement pour aller à la messe à l'église du Sacré-Cœur de Turgeot. On raconte que Barbeau cherche à expier ses crimes. Mais ce qu'on ignore à ce moment-là, c'est que Barbeau se fait discret pour pouvoir mieux préparer sa vengeance. Il bouillonne de l'intérieur, il crie vengeance et jure de tuer Duvalier de ses propres mains. Il est en colère d'abord parce qu'il a été trahi pour tout ce qu'il a fait pour le régime, et ensuite parce que pendant son arrestation, le président a refusé qu'on soigne son fils rentré d'Allemagne pour ses problèmes de santé. Barbeau se sent profondément blessé et trahi. Il rejoint discrètement la clandestinité afin de préparer sa vengeance contre son ancien maître. Et il va tenter un coup fort. Un coup, s'il avait eu du succès, aurait pu venir à bout de Duvalier. Le vendredi 26 avril 1963, à 7h25 du matin, une voiture de la présidence s'arrête devant l'entrée du collège méthodiste d'Haïti, comme elle le fait tous les matins. Les portières s'ouvrent et deux passagers descendent du véhicule. Jean-Claude Duvalier, un adolescent de 14 ans, et sa sœur Simone, âgée de 16 ans. Les deux adolescents se dirigent vers l'entrée de l'école et la voiture fait demi-tour
en se dirigeant vers le palais national qui se trouve juste à quelques mètres de là. Soudain, des coups de feu retentissent. Le chauffeur et les deux gardes du corps s'effondrent. C'est la panique. Les tueurs sont partis aussi vite et les enfants sont allés se réfugier dans l'enceinte de l'établissement. C'est un coup manqué. La tentative d'enlèvement des enfants de Duvalier a échoué. La radio officielle annonce la nouvelle et la réaction de Duvalier à cette attaque va être terrible. Aussitôt que la nouvelle est répandue, les tontons Macoutes encerclent l'école. L'armée patrouille partout. On dresse des barrages routiers. Chaque véhicule est fouillé. Les duvalieristes enfilent leurs uniformes et défilent dans les rues et arrêtent tous ceux qui sont considérés comme des ennemis du régime. Duvalier est furieux. Pour lui, seul le lieutenant François Benoît est capable d'un tel acte. Avec une telle précision, François Benoît, ancien officier, est un tireur d'élite formé par les Américains. Pendant plusieurs années, il a participé avec l'équipe haïtienne au championnat de tir au Panama et a déjà gagné plusieurs prix. C'était un tireur redoutable. Deux jours avant l'attentat, la police s'était rendue chez lui pour le désarmer. Il a pris la fuite et s'est réfugié à la résidence de l'ambassadeur dominicain. Maintenant que Benoît est en fuite, Duvalier est persuadé que c'est lui qui a fait le coup. Armés jusqu'aux dents, les hommes de Duvalier sautent dans des camions et foncent en direction de Bois-Vernard, chez les parents de François Benoît. Ils roulent à contresens et donnent l'ordre aux automobilistes de dégager la voie. Un jeune homme du nom de Lionel Fouchard, fils du doyen du tribunal civil de Port-au-Prince, ne réagit pas assez vite. Il est abattu à bout portant. Une collègue de bureau qui l'accompagnait va rester des jours durant sans parler et perdra l'enfant qu'elle attend une semaine plus tard. Les duvalieristes continuent leur course. Arrivés chez les parents de Benoît, ils ouvrent le feu et tirent sur tout ce qui bouge. Les parents de Benoît sont abattus. Une servante a tenté de s'enfuir. Elle est rattrapée et abattue. Même le jeune fils de Benoît, âgé seulement de quelques mois, ne sera pas épargné. Après le massacre, les tontons Macoutes mettent le feu à ce qui reste de la maison. Benoît est toujours en fuite. Les miliciens foncent chez son frère Jean, mais lui et sa femme ont trouvé refuge à l'ambassade de l'Argentine. La barbarie des tontons Macoutes va tellement loin qu'ils ont abattu un vieil homme chez lui du nom de Benoît Armand, pour la seule raison qu'il se prénomme Benoît. L'ordre est donné d'arrêter tous les ex-officiers de l'armée. Des centaines de personnes et leurs familles sont arrêtées. La majorité d'entre eux finiront dans la fosse commune du Fort Dimanche. Benoît est toujours en fuite. Les duvalieristes se rendent alors à l'ambassade dominicaine qui se trouve sur la route de Delma. Ils pénètrent dans l'enceinte de l'ambassade et la fouillent de fond en comble. Ça n'a rien donné. Ils se rendent alors à la résidence personnelle de l'ambassadeur à Pétionville. Ils prennent position autour du bâtiment et s'apprêtent à investir les lieux. L'ambassadeur proteste et rappelle que son domicile est protégé par son statut de diplomate et que sa résidence jouit du privilège d'exterritorialité, c'est-à-dire il est juridiquement considéré comme faisant partie du territoire dominicain. Les duvalieristes montent la garde en pointant leurs fusils en direction de la résidence de l'ambassadeur. Benoît et 21 autres personnes sont réfugiées dans la résidence de l'ambassadeur. La pression monte. Le président dominicain Juan Bosch donne un ultimatum de 24 heures à Duvalier pour qu'il ordonne à sa milice de quitter la résidence de l'ambassadeur. Sinon, il menace d'intervenir militairement. Les Dominicains se préparent à la guerre et menacent de bombarder le palais national. Duvalier reste droit dans ses bottes. Son ministre des Affaires étrangères de l'époque, René Chalmers, annonce rompre tous les rapports diplomatiques avec la République dominicaine. Une réunion d'urgence est convoquée à l'OEA qui invite les deux pays à ne pas déclencher les hostilités en nommant une commission d'enquête sur les événements en Haïti. Pendant ce temps et au milieu des cadavres, Papa Doc organise un carnaval à Port-au-Prince, comme si de rien n'était. Des bandes défilent dans les rues de la capitale. Des milliers de paysans sont transportés
liberté dans la capitale. La foule se rassemble devant le palais national au cri de Duvalier ou la mort. Après quelques minutes, Papa Doc apparaît devant la foule tel un être transfiguré et déclare « Moi, Duvalier, je symbolise la terre des ancêtres. Ceux qui souhaitent détruire Duvalier souhaitent détruire la mère patrie. Ceux qui ont tiré sur mes enfants ont aussi tiré sur moi. Ils savent qu'ils ne peuvent m'atteindre, car Duvalier est d'une fermeté inébranlable. Je suis déjà un être immatériel. » Quelques jours plus tard, après d'innombrables tergiversations et de menaces, Duvalier ordonne à ses miliciens de quitter la résidence de l'ambassadeur et accepte de délivrer des sauf-conduits à 15 des 22 réfugiés qui se trouvaient chez l'ambassadeur. Les autres, dont Benoît, ne doivent pas quitter le pays. Duvalier va apprendre par la suite que le coup était l'œuvre de Barbeau et sa bande. La guerre est officiellement déclarée entre les deux ex-amis. Barbeau met à l'abri sa famille pour pouvoir continuer sa lutte armée contre Duvalier. Sa femme et ses quatre enfants trouvent refuge à l'ambassade d'Argentine et il va encore frapper. Un convoi de Tonton Macoute est pris dans une embuscade. Les hommes de Barbeau attaquent le convoi. L'affrontement est violent. Plusieurs dizaines de Tonton Macoute sont tués. La nouvelle donne des sueurs froides à Duvalier et Barbeau commence à frapper l'imaginaire populaire. Il apparaît désormais comme celui qui débarrassera Haïti de Duvalier. On lui prête même des pouvoirs mystiques et surnaturels. Les rumeurs disent qu'il pouvait se transformer en chien noir. Alors, tous les chiens noirs deviennent la cible des miliciens duvaliéristes. Un jour, il réussit à appeler Duvalier au téléphone et lui promet qu'il aura sa peau. Ce à quoi Papa Doc répond « Clément, j'aurai ta tête ». Un matin, la secrétaire de Duvalier découvre sur le bureau du chef une lettre contenant les menaces de Barbeau. Duvalier est entré dans une colère noire. La tête de Barbeau est mise à prix. Duvalier offre 10 000 $ à celui qui le ramène Barbeau, mort ou vif. La chasse à l'homme est lancée. On fouille partout. Des rues entières sont ratissées à la recherche de l'ancien chef des Tontons Macoute. Un jour, Barbeau fait savoir qu'il se trouve à Pétionville et défie les duvaliéristes de venir le chercher. Le major Tassi, l'un des chefs des Tontons Macoute, fait encercler le quartier où il est censé se trouver et attend pour capturer l'ennemi. Mais Barbeau a rusé. Pendant que les miliciens le cherchent à Pétionville, il se trouve à Fort Dimanche en train de désarmer les gardiens et distribuer les armes à ses hommes. Alors que les Tontons Macoute fouillent la ville pour le retrouver, Clément Barbeau donne une interview à un journaliste américain sur place. Il raconte qu'il dispose d'énormes moyens et que ses partisans se trouvent même parmi les proches du président. Barbeau déclare que son ancien ami, le président Duvalier, est complètement fou. Il révèle que celui-ci lui avait confié, pendant qu'il était à son service, qu'il lui faudrait 300 cadavres par an. Quelques jours plus tôt, Barbeau et son frère Harry ont failli se faire prendre par les Tontons Macoute qui ont encerclé leur refuge. Mais ils ont réussi à s'enfuir. À présent, Barbeau et son frère se cachent dans une petite maison à Cazaux. Ils élaborent un plan pour s'introduire au palais national, tuer le président et s'emparer du pouvoir. Mais Barbeau et sa bande vont se faire devancer. On a signalé sa cachette et Duvalier envoie aussitôt un commando pour le débusquer. Barbeau et son frère et ses amis s'enfuient et se cachent dans un champ de canne à sucre. Les duvaliéristes mettent le feu à la plantation et attendent patiemment l'arme au poing. Les flammes et la fumée obligent les rebelles à abandonner leur retraite et c'est ainsi qu'ils sont abattus par les miliciens qui les attendaient à la sortie. Clément Barbeau est tué aussi simplement. Duvalier a encore gagné et toutes les autres tentatives de ses opposants vont se solder par un échec, tandis que lui restera au pouvoir jusqu'à la mort. L'exemple de Barbeau illustre la férocité et la paranoïa de Duvalier capable de sacrifier ses amis les plus proches et les plus fidèles. Le cas de Barbeau n'est pas unique.
la liste des amis et des proches que Duvalier a trahis et fait exécuter est longue. Mais de cela, nous en parlerons dans une prochaine page d'histoire. Si vous aimez la culture haïtienne et si vous êtes un passionné d'histoire, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Haïti Inter et aussi de nous suivre sur tous les réseaux sociaux. Merci et à bientôt pour une autre page d'histoire. Cette actualité. Débile fait l'essa. Toute ville la branché. Rale tiches bar pour coûter tout zin qu'a fait actualité dans le pays d'Haïti à reste modelant. 5-7 actualité, c'est pas yon boule bolette, c'est pas yon chiffre, c'est qu'on s'allie. Son émission pour qu'on blisse, rendez-vous chaque dimanche à JC sur Radio Fréquence Mondiale. Une information de première main. En direct, sur la radio des grands événements, RFM, Radio Fréquence Mondiale. 27 mai 1980, la capitale haïtienne rayonne de mille feux. Une salve de 101 coups de canon annonce l'événement. La télévision nationale d'Haïti et les stations de radio sont en direct. La ravissante Michèle Bennett épouse le président à vie, Jean-Claude Duvalier. Elle a 30 ans et lui 29. Le couple défile sous les applaudissements de 2000 invités et avance à la cathédrale Notre-Dame sous les épées brandies par une garde d'honneur de 24 hommes. Une foule de curieux se rassemble autour de la cathédrale pour admirer ce spectacle inédit offert par le gouvernement. Après la cérémonie, le couple se rend à la Villa Duvalier pour une réception de plusieurs centaines d'invités. Pour l'occasion, les mariés ont fait venir des fleuristes de Miami pour orner la cathédrale et la maison du président, un coiffeur de Paris pour madame, des vêtements luxueux provenant des maisons de haute couture françaises et des dizaines de milliers de dollars en feux d'artifice. Les dépenses s'élèvent à près de 3 millions de dollars selon la presse internationale. Michèle Bennett est aux anges et la partie ne fait que commencer. Mais qui est vraiment Michèle Bennett, cette femme qui semble arriver de nulle part et qui va lourdement peser sur l'histoire du duvalierisme et les finances publiques d'Haïti? Michèle Bennett naît à Port-au-Prince le 15 janvier 1950. Elle est la fille d'un entrepreneur du nom de Ernest Bennett. Pendant son adolescence, elle emménage à New York et poursuit sa scolarité. Elle rencontre Alix Pasquet Jr. et l'épouse. De ce mariage, Michèle Bennett a deux enfants, Alix et Sacha. Mais la famille Pasquet a un vieux contentieux avec les Duvalier. Le père d'Alix Pasquet Jr. était un militant anti-duvalieriste et pilote de chasse qui a servi dans l'armée américaine pendant la Deuxième Guerre mondiale. En 1959, il a tenté de renverser François Duvalier avec l'aide de deux autres officiers de l'armée haïtienne et de deux anciens adjoints du shérif du comté de Dade en Floride. Tous les cinq ont été tués pendant l'opération. En plus de ses deux enfants avec son premier mari, Michèle Bennett aura deux autres enfants avec Jean-Claude Duvalier, Nicolas et Anya. On imagine bien l'ambiance entre les petits-enfants Pasquet et Duvalier. Le grand-père de Nicolas et Anya, François Duvalier, est l'assassin du grand-père de leurs demi-frères, Alix et Sacha. Après avoir divorcé de son premier mari, Michèle Bennett trouve du travail à l'habitation Leclerc, qui était à l'époque un hôtel chic de Port-au-Prince. C'était aussi l'époque où la jeune divorcée enchaînait les aventures et les déceptions amoureuses. Elle aurait même fait une tentative de suicide en prenant des somnifères. Mais elle a su se relever de cette dépression et prendre sa vie en main. Et très vite, Michèle Bennett est devenue une figure particulièrement populaire du milieu mondain et festif de Port-au-Prince à la fin des années 70, au moment où Baby Doc, flambeur de son état, jette son dévolu sur elle. Jean-Claude Duvalier est rapidement devenu gaga de cette jeune femme pleine d'assurance. Au début, elle n'était pas attirée par le bonhomme. Il était gros et avait l'air un peu stupide. Mais il avait un atout non négligeable que tous les autres hommes haïtiens réunis n'avaient pas.
C'était l'homme le plus puissant d'Haïti. Il fallait saisir l'occasion. Après le mariage, Michel Binet prend les choses en main quant à l'allure de son mari, mais aussi la conduite du pays, ou plutôt les finances publiques. Michel impose à Baby Doc un sévère régime alimentaire et des exercices physiques réguliers pour qu'il perde du poids et se rapproche de son idéal d'homme. Ça a plutôt bien marché puisque le président a perdu du poids, ce qui a nettement amélioré son image. Mais cela ne s'arrête pas là. La première dame prend aussi le contrôle du pays, donnant des ordres, assistant aux réunions du cabinet présidentiel et parlant même au nom de son mari. Simone Duvalier, la mère du président et la vieille garde duvaliériste qui s'était opposée au mariage présidentiel, sont mises à l'écart. Simone Duvalier conserve néanmoins son titre de première dame de la République. Mais un nouveau titre est créé pour sa belle-fille, Madame la Présidente, ce qui correspond très bien à Michel Binet. La nouvelle première dame méprise les anciens duvaliéristes et le fait savoir. En plein conseil des ministres, elle n'hésite pas à réprimander les membres du gouvernement. Elle sème la terreur autour d'elle. Tout le monde a peur de Madame la Présidente. L'arrivée de Michel Binet au pouvoir est aussi l'occasion de donner un petit coup de pouce aux affaires de papa. Du jour au lendemain, Ernest Binet est devenu le premier exportateur de café et de cacao d'Haïti et l'un des hommes les plus riches du pays. Bénéficiant de nombreux passe-droits et des faveurs de la présidence, il a supplanté ses concurrents et se constitué une fortune colossale. Mais en plus de ses affaires avec le régime, il est soupçonné d'être mêlé à des trafics qui attirent l'attention des Américains. En 1982, Franz Binet, le frère de Michel, est arrêté à Porto Rico pour trafic de drogue et condamné à une peine de 2 ans et demi de prison qu'il purge dans une prison fédérale du sud de la Floride. Dès 1980, la DIA fait état d'un important réseau de trafic de drogue organisé par les proches du président à vie. Le nom du père de la première dame, Ernest Binet, apparaît comme impliqué dans ces trafics. La presse internationale fait état de ses soupçons. En 1986, le New York Times titre « Des responsables américains associent le beau-père de Duvalier au trafic de cocaïne ». Le journal français Le Monde emboîte le pas et consacre un article à l'affaire. Indigné, Ernest Binet écrit au journal pour s'en plaindre et réfuter les accusations. De son côté, Michel Binet multiplie les opérations de communication à travers sa fondation pour vendre l'image d'une femme engagée auprès des pauvres. Ses actions dans les écoles et auprès des jeunes filles haïtiennes sont très suivies par la télévision nationale d'Haïti. Mais sur ces images, diffusées par la télévision, elle apparaît parfois avec des tenues extravagantes et des bijoux de luxe qui ne manquent pas d'attirer l'attention. Mais ce qu'on va découvrir par la suite, c'est que la première dame est une acheteuse compulsive de produits de luxe. Selon le magazine américain People, elle achète des camions de robes à Valentino, maison de luxe italienne spécialisée dans la haute couture. Elle fait venir à Port-au-Prince le joaillier parisien Boucheron pour lui acheter des millions de dollars de bijoux. En novembre 1985, les pénuries alimentaires et le manque de carburant paralysent le pays et provoquent des émeutes un peu partout. Au même moment, la première dame quitte le pays avec ses amis et sa famille pour une tournée shopping à Paris, au cours de laquelle elle dépense pas moins de 1 million de dollars en produits de beauté et de fourrure alors qu'elle vit dans un pays tropical. Pendant ce temps, le pétrole nécessaire au fonctionnement du pays manque cruellement. Un pétrolier refuse même de livrer du pétrole à Haïti car le gouvernement ne pouvait pas payer. De retour en Haïti à la suite de sa frénésie de shopping, la première dame fait réfrigérer ses appartements pour pouvoir conserver et porter ses manteaux de luxe. Au début des années 1986, les mouvements de protestation et les révoltes populaires, en plus de la pression des Américains, s'intensifient contre le régime. La situation devient intenable. Jean-Claude Duvalier réfléchit à la décision à prendre dans cette situation. Sa mère, Simone, le conseille de rester au pouvoir et se battre. Mais Michel l'encourage à partir, sachant qu'ils ont tout à gagner avec les centaines de millions de dollars planqués à l'étranger. Comme d'habitude, le président suit les conseils de sa femme. Le 7 février 1986,
Baby Doc s'enfuit en France avec sa famille. Le couple s'installe dans les Alpes-Maritimes et coule des jours heureux dans une villa à Mougins sur les hauteurs de Cannes. Le couple mène grand train et semble bien s'adapter à sa nouvelle vie en France. Mais ce calme va bientôt être perturbé. Un matin, pendant que Baby Doc et sa femme sont encore au lit, un cortège de voitures emprunte le chemin qui mène à la villa. À leur bord, une quinzaine de policiers et d'enquêteurs débarquent sans prévenir afin de perquisitionner le luxueux domicile des Duvalier. Jean-Claude Duvalier et son épouse, Michèle Binet, sont tirés du lit. Les enquêteurs réunissent tout le monde dans le salon, le couple ainsi que les proches et les domestiques. L'inquiétude est palpable. On ne sait pas ce qui se passe, mais Michèle Binet semble avoir une idée. Elle essaie de se débarrasser d'un carnet dans les toilettes. Les enquêteurs ont eu le temps de le récupérer et constater qu'il s'agit d'un carnet de compte où Michèle Binet liste toutes ses dépenses. À leur arrivée en France, la première dame prétendait ne disposer d'aucune ressource, pas de compte en banque ni de revenus. Mais quand les policiers parcourent son carnet, ils ont une idée de la vie que mène la femme de Baby Doc. 168 780 $ pour des vêtements chez Givenchy, 270 200 $ pour des bijoux chez Boucheron, 9 752 $ pour deux selles de cheval pour enfants chez Hermès, 68 500 $ pour une horloge, 13 000 $ pour une semaine dans un hôtel parisien. Mais quelques temps après, les rapports du couple ne cessent de battre de l'aile. L'argent commence à manquer pour continuer cette vie de luxe. Anticipant l'orage qui s'annonce, Michèle Binet s'installe déjà avec un autre homme à Cannes. Le couple divorce et l'ex-première dame reçoit une compensation financière. Mais selon Maître Gilles Auguste, avocat français engagé par le gouvernement haïtien à l'époque, Madame Duvalier contrôlait les économies restantes du couple. Il pense que Michèle Binet s'est enfuie avec ce qui restait des richesses des Duvalier. À ce moment-là, la justice haïtienne veut juger le couple Duvalier car elle a réuni assez de preuves concrètes sur l'ampleur des fraudes et du détournement des comptes publics par le régime. Le ministre de la justice haïtienne de l'époque, François Saint-Fleur, rédige un rapport détaillé sur les fraudes et les détournements du couple présidentiel. Le rapport pointe le rôle de la première dame et déclare à son sujet « Michèle Binet Duvalier prit une part très active dans la perpétration des transactions frauduleuses et des escroqueries qui ont débouché sur un détournement systématique des deniers publics. Sa participation remonte quelques mois après son mariage avec Jean-Claude Duvalier. En effet, le premier chèque émis en sa faveur que nous avons pu retracer est daté du 14 juillet 1980, peu après son mariage. Ce chèque de 100 000 $ était tiré sur un compte non fiscaux. Son rôle actif dans cette conspiration de grande envergure est illustré par son usage à outrance de chèques tirés sur les différents comptes extra-budgétaires maintenus à la disposition des Duvalier. Il convient aussi de rappeler qu'elle utilise régulièrement le truchement de ses œuvres sociales pour siphonner des sommes considérables des différentes agences gouvernementales. Elle a de ce fait joué un rôle primordial et sa participation remonte au moins au 14 juillet 1980. Il en résulte qu'elle est responsable du montant détourné à partir de cette date, soit 94 603 083 dollars 14 centimes. En 1996, la Cour suprême de New York condamne Michèle Binet à restituer 6,5 millions de dollars à Haïti pour rembourser les détournements de fonds réalisés avec son mari alors qu'elle était première dame. Depuis 1986, ses biens immobiliers et ses comptes bancaires domiciliés à New York sont placés sous séquestre judiciaire. Mais quid de ses biens en France? D'après le journal Libération du 4 janvier 1996, elle a su faire fructifier sa part de la fortune détournée par elle et son mari et estimée à environ 130 millions de dollars. Les avocats de l'État haïtien de l'époque voulaient obtenir la saisie de ses biens en France, mais la procédure n'a jamais abouti. Le rôle de l'ex-première dame dans le réseau de corruption qui gangrène le régime de Duvalier est central. Son statut privilégié et son accès direct au pouvoir lui auraient permis de s'enrichir. Elle a utilisé sa position pour favoriser ses intérêts personnels et ceux de son entourage, profitant des ressources du pays à des fins personnelles et familiales.
À la suite de son divorce avec Jean-Claude Duvalier, l'ex-première dame utilisait désormais à ce moment-là son nom de famille, signifiant clairement sa volonté de rompre avec l'héritage des Duvalier. Mais curieusement, depuis quelque temps, très active sur les réseaux sociaux, Michèle Bennett reprend le patronyme de Duvalier. Les temps ont changé et être duvalieriste aujourd'hui n'est plus considéré comme un crime. Et certains nostalgiques oublient ou ne savent pas ce que c'était le régime des Duvalier. Michèle Bennett a sans doute senti qu'elle pouvait tirer parti de cette situation et veut donc tout bonnement apparaître comme la gardienne du duvalierisme. Tremblement de terre, assassinat politique, pauvreté extrême, corruption. La misère d'Haïti semble sans fin et ça ne date pas d'hier. Pendant des années, les coffres du pays ont été systématiquement pillés sous la dictature sanguinaire des Duvalier. Mais grâce aux Pandora Papers, on a peut-être trouvé une cachette d'argent qui pourrait aboutir entre les mains d'héritiers au Québec. Février 1986. Après 28 ans d'une dictature qui a fait des milliers de victimes en Haïti, le régime de terreur des Duvalier s'effondre. Jean-Claude Duvalier, lui, arrive à un peu passé 3 heures à l'aéroport, conduit, il est au volant, c'est une BMW blanche, sa femme est à ses côtés. Jean-Claude Duvalier, chassé du pouvoir sous la pression populaire, s'enfuit vers la France au milieu de la nuit. Mais il ne part pas les mains vides. Selon les autorités haïtiennes, plus de 120 millions de dollars américains auraient été détournés des coffres de l'État, dont des dizaines de millions avec l'aide de son ministre des Finances, Frantz Merceron. On parle de millions et de millions de dollars qui disparaissent. C'est Merceron lui-même qui donnait les ordres de virement. C'est au prix du sang que cet argent-là a été obtenu. Ces avoirs devraient être saisis et restitués au peuple haïtien. Où ont abouti les fonds qui auraient été pillés sous Duvalier et pourquoi les institutions financières qui les ont recueillis ont tardé à sonner l'alarme? Grâce aux Pandora Papers, cette fuite de documents confidentiels provenant de paradis fiscaux obtenus par le Consortium international des journalistes d'enquête, nous avons découvert de nouvelles pistes, des pistes qui nous mènent jusqu'au Québec. Les autorités canadiennes devraient faire une enquête sur cette question. Le long des côtes de la Bretagne, en France, l'avocat d'origine haïtienne Jacques Salaise se rappelle des efforts qu'il a déployés pour aider son pays d'origine à obtenir justice. Maître Salaise pratiquait le droit à Paris lorsque la nouvelle de la chute du régime Duvalier a fait le tour du monde. J'avais tellement espéré le départ de Duvalier, et voilà qu'il s'en va. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire tout en restant à Paris? Peut-être pourrais-je offrir mes services pour essayer de récupérer une partie des fonds. Les règnes de François Duvalier et de son fils Jean-Claude, qui se sont tour à tour nommés président à vie, n'ont pas seulement été marqués par la terreur des tontons Macoute et les graves violations des droits de la personne. La corruption était au cœur du régime. Les fonds publics d'Haïti, un des pays les plus pauvres de la planète, ont été siphonnés par ses dirigeants dont le train de vie, lui, était loin d'être austère, comme en témoigne le mariage fastueux de Duvalier. Voulez-vous prendre comme épouse? Il y avait 5000 invités qui ont mangé du caviar et bu du champagne, alors que la note des festivités atteindra les 3 millions de dollars.
Quand on pense à Haïti, on pense... En entrevue avec le journaliste Pierre Nadeau à l'époque, Jean-Claude Duvalier a fait fi des rumeurs de corruption qui circulaient déjà. On a aussi dit que la famille, votre famille, a amassé des sommes fabuleuses qu'elle a placées dans des comptes ailleurs en Suisse. Est-ce que le président Duvalier est un homme riche? Je ne pense pas. Disons que nous pouvons vivre décemment. Je pense que les gens ignorent tout à fait quels sont les sacrifices que j'ai dû consentir. Selon un rapport rédigé après la chute du régime par le ministre de la Justice d'Haïti, François Saint-Fleur, les Duvaliers se sont livrés à un pillage systématique de la caisse publique. Pour amasser son butin, Jean-Claude Duvalier aurait eu l'aide de son ministre des Finances, Franz Merceron. D'après le rapport Saint-Fleur, Merceron a autorisé des millions de dollars en transferts provenant du Trésor public et des sociétés d'État haïtiennes, comme la Régie du tabac et la loterie, vers des comptes liés aux Duvaliers. Franz Merceron était au cœur des décisions du régime, selon l'historien montréalais d'origine haïtienne, Franz Voltaire. Il devient, parmi ce qu'on a appelé à l'époque les super-ministres, c'était eux qui gouvernaient vraiment. Et lui, il était effectivement le... Vous savez, qui gouverne les finances, gouverne réellement. Donc, il a été celui qui pouvait mettre en place des réseaux... Une information de première main, en direct, sur la radio des grands événements, RFM, Radio Fréquence Mondiale. Une information de première main, en direct, sur la radio des grands événements, RFM, Radio Fréquence Mondiale. Proverbe l'a dit, moun qui souhait pour vous, c'est pour loup changer chemise. C'est pas ailleurs avec Jody depuis Jacques, notre Jesse Motivo Services, a servi communauté. Ya. Mes amis, tout le monde boucle n'a connu Jacques. Yon seul bagay toujours a dit. Jacques, bon vrai, oui. Li bon bon information, oui. Mais l'organ business ou botel baron l'autre monde. Mes amis haïtiens, moi yo, suspend mort dessoufflé. Tant coup des centaines de monde qui prennent service sur le bois, passe dans Jesse Motivo Services. Affaires income tax, immigration, notaire, recherche de documents en Haïti, traduction de documents. C'est Jesse Motivo Services. Mandé qui nomme. Ça fait 200 ans que je fais taxe avec eux, je n'ai pas rien pour me reprocher. Non seulement moi, je ne comprends rapide, service la pas cher et li bon. C'est pas seulement income tax, rapide refund, électronique filing. Fil 4 aujourd'hui, joigne comme la demain. Ces affaires immigration, ce master yoye dans ça. Mais ça me donne pas les deux chaque. Je ne pense pas que c'est bon comme ça, non? Parce que ça fait immigration, papier travail, moi. C'est eux qui réglent. Ils ont fait affaire citizenship tout. Parce que l'autre jour, madame, ma petite intègre pour entrer. C'est eux même qui réglent ça. Et puis ça qui pise, n'y a pas chargement pile pour ça. Passez, ouais, Jesse Multiple Services, 926 Utica Avenue, entre Church et Snyder dans Brooklyn. Téléphone, non, c'est 718-469-1566. Ou sinon, 347-576-6957, parfum français, CD haïtien, transfert sur Haïti avec Uni Transfert, c'est Jesse Multiple Services. Même Jean Ketsley dit, Remé Moun qui Remo, Jesse. À l'écoute depuis chez vous, sur les ondes, Radio Fréquence Mondiale. 5-7 Actualité. Débile fait l'ESA, toute ville la branchée. Rale tiches bar pour coûter tout zin qu'a fait actualité dans le pays d'Haïti à reste modelant. 5-7 Actualité, c'est pas yon boulebolette, c'est pas yon chiffre, c'est qu'on s'allie. Soit émission, pour qu'on blisse, rendez-vous chaque dimanche à JC sur Radio Fréquence Mondiale. Radio Fréquence Mondiale, une passion d'écouter. À l'écoute depuis chez vous, sur les ondes, Radio Fréquence Mondiale.